Thank you.
Let's play hide and seek. Run away from me. 7, 8, 9. How you hide? I'm here. In the dark, you can't see. Sweating from your fear. 12. One step, I'm near. 13. Your death. Your shadow waits moving under the moon and the dead tree. Eh bien bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière émission, la dernière du 10 Crédit FC, du 12e homme, de notre club communautaire en fait tout simplement,
qui a fait en plus une saison à la hauteur de ses ambitions. Mais bon, ça, tout ça, on va voir. Et je dis la dernière parce que ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Dites-le nous dans le chat, en commentaire des vidéos. Est-ce que ça vous plaît? On sait qu'il y a des gens qui nous suivent quand même en rediffusion. Mais bon, ça, on verra tout ça. Et comme d'habitude, je suis avec mon acolyte habituel, Spyben. Salut, Spyben. Salut, Dapidu. Tu vas bien? Ouais, très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va. Écoute, je suis content de faire notre dernière émission. Ouais, C'est la dernière des dernières, c'est la dernière, c'est fini, c'est la fin, ça sent la fin, ça sent le barbecue de fin de fin d'émission. Et surtout, alors attention, nous avons un sélectionneur national avec nous pour aujourd'hui, ça nous fait plaisir en tout cas, Nikos le boss, salut Nico. Salut, enchanté, bonjour à tous. Ravi d'être avec toi, franchement, je sais que, on va le dire. Je t'ai saoulé pour que tu viennes avec nous ce soir. Non, j'exagère. Non, j'ai repoussé plusieurs fois, mais c'est un plaisir de partager au communautaire. En fait, c'est plutôt ça, c'est vrai. Je pense qu'on avait tous les trois l'envie de faire ça ensemble. Et malheureusement, il y avait les dispositions de notre côté, de ton côté et tout. Et donc, on a trouvé une date en commun et on est super contents parce qu'on te connaît déjà. Tu es déjà venu un vendredi. On avait passé une bonne soirée un vendredi ensemble. C'était vraiment cool. Avec Nicolas aussi, de mémoire, je pense. Tu étais venu. Exactement. Et on avait passé une très bonne soirée. Et puis, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion. Nous, on aime bien les gens avec qui on passe des bonnes soirées. On se dit, tiens, viens le mercredi. Et donc, finalement, aujourd'hui, on va pouvoir faire la petite soirée ensemble sur Audi Crédit FC. Donc ça fait plaisir, même si je te l'ai dit un petit peu avant, et c'est vrai, tout le monde est au courant dans le chat, voilà, c'est un peu une fin de saison, donc il y a quand même un gros match, on va devoir faire un gros match ensemble, avec le chat bien évidemment qui sera là aussi pour nous épauler, hein, t'inquiète, le chat est au taquet aussi, mais voilà, petite fin de saison ensemble, ça va être sympa en tout cas. Je vois qu'il y a déjà des gens dans le chat, ça fait plaisir. Il y a du monde. Hein. Et il y a Alpa qui troll, pour commencer. Il y a Alpa qui troll, alors ça déjà, on va le bannir direct. Je le bannis, c'est bon. Tu peux, vas-y, entraîne-toi, tu peux. Non, c'est pas vrai. Je vois une partie de mon staff aussi. Ah, bon, 21 Jamaïque. Allez, on le garde alors, ça va. Exceptionnellement, on le garde dans ce cas-là. On est obligé, il fait partie du staff. Non, mais en vrai, ouais, vous êtes... Chef plein de doigts. Chef plein de doigts. Chef plein de doigts avec les transferts. Je vois qu'il y a Cheche, il y a Cesco BG, je pense que tu m'as dit que c'est ton adjoint italien. Oui, c'est à tous les deux, on fait le scouting de U21 Jamaïque, sachant qu'il était là avant moi. Donc lui, depuis vraiment un long moment en Jamaïque, et il aide aussi d'autres sélections pour le scouting. Eh bien, écoute, hello Cesco BG, you are welcome here, but sorry we speak in French, but you're welcome. Ok, Katox, les habitués, bien évidemment. Mef, Katox, chef lindois, c'est un peu les habitués. Ça fait plaisir aussi de les voir. Nina aussi, qui est là, qui est aussi dans ton staff, d'ailleurs. Exactement. Incroyable, incroyable. En tout cas, ça fait plaisir de voir tout du beau monde. Écoutez, on va commencer tout doucement. D'abord, comment ça va, Nico? Ça va bien. Petite déception en début de Coupe du Monde avec nos U21. Oui. On a perdu les deux matchs et on avait 52% pour gagner contre l'Espagne. Et on a perdu 2-1. Et après, on a pris 3-0. Là, on devait faire un partout. Donc, les débuts sont difficiles. Mais sinon, aussi une fin de saison pour mes clubs. Et sinon, tout va bien. Ok, parfait. Et écoute, on espère que ça va s'équilibrer, tu vois, sur du long terme. C'est souvent ce qu'on dit à Trigg, mais tu vois, quand il se passe des choses. Il y a 10 matchs, donc on peut espérer. Il y a encore de quoi faire, en tout cas. Mais c'est cool, en tout cas. Le fan club de Gilbert est présent, nous dit Katox. Chef lindois avec un transfert. On va jeter peut-être un petit coup d'œil sur le transfert après. Mais je pense, si ça vous va, on est tous d'accord pour dire qu'il nous faut l'habituel résumé de Spyben qui va un peu nous remettre les pendules à l'heure pour savoir où est-ce qu'on en est avec le club. C'est ça. Écoute, il est prêt. Alors, je suis allé jeter un œil de chef lindois en attendant. Écoute, effectivement, c'est un beau joueur. Alors, on va passer outre le harcèlement de Dapidu auprès de Nikos Lebos pour le faire venir. Hein. Une plainte est en cours. Donc, la semaine dernière, émission light, on a fait une compo contre Gangalinti. Alors, Gangalinti, c'est un manager non humain. Il n'a pas encore botifié, mais en cours. Donc, on a fait un pic, évidemment. Victoire 5-0 à l'extérieur. But de Oerks. But de Sanogo, son 6e de la saison. Enza Jigwa qui marque son 10e but de la saison. Pour un vieux, il marque, hein. Il n'y a rien à dire. Schmalinse marque son 2e et Géaman son 4e but. À côté, les Raptors ont gagné 8-0 contre Bot. Milo a gagné 8-0 contre Bot aussi, donc nos deux adversaires directs ont gagné. Les Raptors sont assurés du titre
et de la montée. Millois, par contre, on est à la lutte hein, au classement. Tu peux montrer la petite. Ouais, Gros tu veux match, gros montrer. match. Ouais, Et c'est un un gros 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 match. match. Hein, on a un point d'avance sur Millois. Le goal avérage pour nous. On est à domicile. Ça sent le bots. Nul. Point nul. Au moins un Point nul, ouais, nul. ça, au moins Voilà. un nul. Nul serait parfait. Mais au minimum. Victoire, Saint-Nomand, en victoire revanche, pour nos supporters. Victoire, s'il te plaît. bien sûr, Ah, bien mais sûr. victoire, on est tous partants pour une victoire. Hein, tu le sais. Mais ça va être ton boulot, ça. Hein. Ouais, c'est C'est ça. vrai. D'ailleurs, c'est victoire ou tu fais bad dat trick. Hein. J'ai écrit au GM, ils sont OK, hein, ils sont prêts. J'accepte toutes les critiques. Par contre, on va devoir faire sans Sanogo, qui est exclu. Malheureusement. Je peux peut-être une petite Oui. parenthèse dans ton résumé. J'ai reçu un Vas-y. message de c'était Seb hein, qu'on avait reçu la semaine dernière, champion du Oui, monde oui. d'ailleurs. Enfin, qu'on avait reçu la semaine, pardon, d'avant, Il y de a 15 mémoire, jours. il y a 15 jours, c'est ça? Et qui avait dit, il m'a envoyé un petit message, comme quoi c'est toujours chouette de voir les anciens qui sont venus, qui suivent maintenant activement le club, et qui a dit, et c'est vrai, on aurait dû faire attention à ces deux cartons jaunes, tu vois. On n'a pas fait spécialement attention, et donc voilà, petit bonjour à lui en tout cas, on sait que maintenant il nous suit activement, et c'est vrai que, bah oui, on n'a pas fait spécialement attention, pas de chance, il y a eu le troisième carton jaune qui a fait que maintenant il sera exclu. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, il a fait un C'est le petit. meilleur buteur, c'est ça? C'est un des bons. Non, non, C'est pas le non. meilleur, mais c'est un des bons buteurs, mais on va dire, voilà, c'est pas non plus si grave, mais bah bon, voilà. Chez nous, les meilleurs buteurs, c'est les ailiers. Voilà, Bon. Pour l'instant, c'est ça vrai, n'a rien c'est à voir. vrai. C'est ça. Niveau entraînement, donc, entraînement, Ganamé est passé impressionnant en buteur. Rabier, notre gardien, est passé faible en buteur. Ouais, ça va vraiment lui servir à quelque chose. C'est super important. La mage forme a été assez mauvaise dans l'ensemble. Elle n'a pas du tout été à notre avantage. Chez les jeunes, on a recruté Habib Lidji. Pour une fois qu'on a un joueur avec un nom prononçable, j'en profite. Qui est faible en passe et un potentiel passable en construction à seulement 15 ans et 47 jours. Ne vous fiez pas à sa coupe de cheveux, c'est un tueur. On a fait la promotion et la vente de Tassem Bendo Ah pour oui. 434 000 euros. Donc, je tiens à faire mon mea culpa parce que j'ai été très mauvaise langue en disant que les défenseurs se vendaient mal. La preuve que j'ai dit n'importe quoi. Ça fait Ils ont plaisir. gagné 4 à 3 à l'extérieur. Ils sont donc premiers de leur poule avec un doublé de Blé Sanogo, de Taon Diandé, de Zida. Et voilà Ok. pour ce résumé. Bon, bah maintenant, Nikos, c'est à toi de jouer, hein, à toi de gagner. Eh ben parfait, écoute, je pense que c'est très bien. Alors comme on avait, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas spécialement dit, mais petite émission ce soir, on sait qu'il y a encore la Ligue des Champions, etc. Donc on se plie un peu à tout ça, même si bon, le PSG a perdu, donc désolé pour tous les fans du PSG. J'ai suivi hier le match quand même, et aussi un peu déçu parce que tu te dis, bon, il y a un moment, après 14 000 poteaux, ça va bien rentrer, mais ça ne rentre jamais. Malheureusement, c'est genre t'es le coup du sort, mais bon voilà. J'ai surtout regretté que Mendes il commence à attaquer qu'à la 60e minute parce Ça que aussi. c'est le pendant d'Hakimi, il a attendu un match et demi pour attaquer. C'est vrai, c'est vrai. On aurait dû les harceler d'entrée avec les deux côtés, quoi. Mais dommage. Franchement, par contre, pour le PSG. Alors après, c'est pas que j'aime bien, que j'aime pas le PSG, tu vois. Mais je me dis, c'est un peu dommage. Tu vois, t'as l'impression que ça veut pas, en fait. C'est juste. Ça veut pas, quoi. Mais Bravo bon. à Dortmund, hein. C'était un boss, c'était. Bah, il peut s'en prendre quand même, hein, franchement. Le mur jaune, Je effectivement. suis grand, grand supporter du Paris Saint-Germain, mais il passe son compte quand même. Ouais, mais tu vois, enfin, ça voulait pas. C'est incroyable le foot quand même. Tu sais, parfois, ça joue à peu de choses, mais ouais. Mais le vrai match, de toute façon, c'est ce soir avec Bruges qui est en train d'affronter la Fiorentina à l'instant même. Non, je rigole. Bon, Conference La League, ok, faute. on n'est pas au même niveau peut-être. Et le vrai match, c'est demain. Alors, demain, bien évidemment, l'Union Saint-Gilloise en finale de Coupe de Belgique qui va affronter Anvers. Je mettrai des photos sur Discord. Les gens qui veulent voir des photos, je mettrai des photos. Je serai au Stade Roi-Baudouin pour voir la finale, bien évidemment, à 15h30. Ça fait plaisir. Mais maintenant, on passe aux choses vraiment sérieuses. Et le club communautaire, je pense que si ça vous va, est-ce qu'on ferait pas un petit tour par le transfert de Cheikh Lindoua? On va quand même regarder par curiosité. Il faut savoir, comme ça, tu sais, Nico, qu'en Oui. gros, les ailiers, c'était un peu notre fil rouge cette saison avec les ailiers. Tu vois, là, on a deux ailiers corrects. On a réellement deux ailiers corrects. Attends, je vais les afficher. Et en fait, avec Cheikh Lindoua, on a un petit truc entre nous deux où on se dit. Ah, ça serait bien quand même un petit ailier rapide, tu vois. Et Cheikh Lindoua, ça fait, disons, comment dire, il a une espèce de fil rouge aussi. Il veut nous faire acheter un ailier rapide et il paraîtrait qu'il y aurait peut-être une bonne affaire. Donc,
On peut aller jeter un petit coup d'œil à ça. Je te montre les ailiers qu'on a. Donc c'est. Attends, parce C'est que. Vikira. Ouais, parce que. Attends, ils sont triés par buteur. Attends, je... Ouais, c'est Vikera exactement, mais il y en a deux autres. Je vais te les afficher ici. Bien triés. Donc on a Schmalensee, tu vois. Brillant construction et impressionnant. Donc 11 constructions, 10 ailiers et 6 passes. Vikera. D'accord. Bon, 32 ans, il commence à être un peu âgé, mais ça va. Formidable construction et inoubliable ailier. Et c'est tout en fait. Attends, on n'avait pas un autre aussi? Ah oui, non, c'est vrai qu'on a vraiment que deux ailiers. Bon, après, on peut mettre des milieux vers l'aile et tout. Il y a toujours moyen de négocier des choses, on va dire. On n'avait pas Dinec? Ou Dinec, c'est un défenseur, peut-être, Je je me crois que rappelle c'est plus. défenseur latéral, hein, Dinec. Enfin, en tout cas, il est plutôt défenseur latéral. Ouais. Ah oui, rien à voir, autant pour moi. Non, bah, tu confonds pas avec. Attends, je pense, parce que moi, j'en avais un autre en tête aussi qui est. Géaman, c'est ça? Attends, on l'a pas numéroté. Ouais, c'est quand même un défenseur latéral aussi, tu vois. Enfin, ouais, il a plus de défense que d'ailier, mais Ouais. bon, ok. Le premier qui est 11-10, il est joueur de tête et le deuxième, il n'a pas de spé, c'est ça? Je pense que oui. Donc attends, je te dis ça ici rapidement. Enfin, un ailier rapide, ce serait bien ou Exactement. imprévisible. Et parce que on est d'accord que l'ailier rapide, c'est quand même c'est la classe, tu vois. Donc c'est vrai. On en a cherché, mais franchement, toujours hors de prix. Parce que sachant que bon là on a fait une vente, mais on n'a que 1 300 000, donc c'est pas non plus énorme. Et effectivement, On peut pas acheter, Schmalensee. Oui, pardon. on peut pas acheter un vieux sur ce poste ou on veut garder un. On peut voir. Le Parce que joueur de tête. généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'achète des joueurs juste pour faire de l'argent, j'achète des joueurs de 32, 33 ans vers J14, J15, et je les revends en J2, J3 de la saison d'après, donc 4-5 journées après. Et généralement, on les revend une fois et demie, entre une fois et demie et deux fois leur prix d'achat. Ah oui, ok. Donc il y a vraiment. Oui, donc c'est Ça ça. C'est. permet de financer un joueur meilleur après, quoi. Ok, trop bien. C'est vraiment genre en fin de saison, les prix baissent En et en fin de début de saison, saison. tu as investi. L'idéal, c'est d'acheter des joueurs à autour de 800 000, 1 million. Par exemple, là, j'en ai acheté un avec mon club en France aujourd'hui qui est estimé à 2 millions. Je l'ai payé moins d'un million. Ok, écoute, ça peut être une idée. On peut voir ça, effectivement. Et si tu fais ça encore en plus sur des joueurs soit blessés, soit hors de forme, la bascule peut être bien plus importante. Ok. Écoute, j'ai juste salué Granvins, Todajajm, 7 kills. 7 kills qui dit bonsoir à tous, je passe en coup de vent, je viens de terminer le replay de la semaine dernière et sauf erreur, je n'ai pas vu si nous avions pixé, j'imagine pixé le match face au bot du week-end dernier. Est-ce qu'on l'a pixé? Oui, tout à fait. Oui, si. On est des professionnels, je pense que oui. Bah si, on avait pixé, hein, je pense, de mémoire. On peut le voir de toute Oui, façon. il l'a dit dans le résumé. Il a dit. Ah oui, Oui, on ok. a pixé. Hein. Ok. Ouais. Merci, Nikos, t'as suivi au moins. Ouais, au moins un qui a Exactement. suivi le résumé, tu vois. C'est vrai que j'ai pas suivi, pardon. Non, mais c'est vrai, on l'a fixé. Ok, déjà, on va regarder le. Donc, parce que c'est vrai que le dernier ailier qu'on avait reçu, c'était bien Chef Lindois qui nous l'avait conseillé. Mais on va regarder le nouvel ailier qui nous conseille. Alors, c'est. Ah ouais, mais là, il fait exprès aussi. Il prend les pires prénoms possibles, quoi. Juha-Pekka Kaminen, ok. un Finlandais qui est blessé. Donc, ça, il l'avait dit. Hein. Il est blessé, donc il y a peut-être moyen de faire une bonne affaire. Ah, Il n'a plus joli. les sous, genre. Mais Ah, si, 533, précisément. on a, Voilà, ouais, blé. on a 1 500 000, ouais, plus ou moins. Très bien, ça. Très bien. Il est joli. Ouais, il est très bien. Bah, par rapport à ce qu'on a déjà, lui, il est très bien parce qu'il a la passe. En plus, il a du buteur. Et à 30 ans, il ne va pas baisser avant au moins 32, 33, quoi. Et en plus, regarde, il est estimé à 1 600 000, hein. Et le fait qu'il soit blessé, on est à 15 minutes de la fin de l'enchère et c'est à 700 000. Hein, donc il y a peut-être quelque chose, effectivement. On peut, pourquoi pas, mettre une petite pièce dessus, effectivement. Vous en pensez quoi dans le chat? Bonne soirée, 7 kills. Ouais, bonne soirée, bonne émission. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, 7 kills, en tout cas, de voir que tu nous suis aussi en rediff, donc c'est cool. Ouais, lui, il y a moyen. Franchement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Juste Dapidou, tu peux remontrer en transfert à combien il est estimé Il est quand même. normalement Il est dans les estimé. transferts? 1 Pas en million. comparaison Ah! dans sa dans la non, Ah oui, non tout en bas, tu veux pas en dire? comparaison ici dans sa valeur de transfert dans l'onglet transfert. Ah oui, ok, 1 600 000. C'est vrai qu'il y a ça, j'oublie ça. C'est vrai que c'est assez récent et c'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe. 1 600 000, en tout cas, dans la valeur estimée. D'accord. Il est beau, franchement, il est beau. Il est très Il est beau. très bien celui-là. Très bien. Moi, j'ai bien envie. Jusqu'à
J'ai bien envie de mettre Jusqu'à une. 1,2 million, jusqu'à 1,2 million, tu peux. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Tu sais, j'ai bien envie de mettre une petite pièce dessus et un peu le fil rouge de la soirée, on va dire, jusqu'à 35. J'attends juste de voir dans le chat ce qu'ils en pensent, les gens. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Parce que j'aime bien un peu avoir l'avis aussi. Salut Seb Guy aussi. Seb Guy qui nous rejoint. Et y a du beau monde ce soir pour la dernière. C'est parce que ça, j'ai mis la pression avec le titre en disant c'est la dernière et tout, tu vois, peut-être, mais. 1,2, oui, ça serait une bonne affaire, nous dit Granvin. Donc Granvin, c'est en accord avec toi, en tout cas, Nico. Écoutez. Ah, je vois qu'il y a un sondage. Ça fait plaisir. Un sondage qui dit on achète ou on n'achète pas. Donc, n'hésitez pas à voter. Et après, dites-nous dans le chat, si vous mettez on achète, c'est jusque combien? C'est quoi la limite? Il est encore payé pour rien, Spy Ben. Ah, si. Non, t'inquiète, Katox. Il est payé, t'inquiète. Il est payé pour faire le sondage. Katox, quelle Si, violence. les gars, je suis payé au sondage quand même. Il fallait bien que j'en déclenche Et la violence de la phrase, tu vois, il est encore payé pour rien, Spy Ben ou un. quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? On attend, nous. T'as trop habitué les gens au sondage, hein, t'as vu ça? C'est ça. Trop de sondages bêtes aussi. Donc, depuis, ils sont habitués à avoir des sondages. Bah, de toute façon, c'est un plébiscite pour dire on achète. Donc, je pense que déjà, on va mettre une petite pièce dessus. On savait que. Ah non, j'allais dire. Mince, j'allais dire, il y a sûrement une enchère automatique, mais même pas. Bon, tu sais quoi, on fait profil bas. On dit rien. Bon, 7 votes à 0, donc clairement, tout le monde est chaud, hein. C'est qui dit 1,6 million? Max, je dirais, je ne sais plus combien on a. On a plus ou moins ça en caisse, de toute façon. On ne pourra pas faire beaucoup plus. On a 1 million. Ah non, on a 1 300 000, pardon. On a 1 300 000. Moi, je dirais 1,2 million parce qu'après, tu peux trouver à cette période-là de l'année des joueurs vraiment à bon prix aussi, quoi. Donc, faut pas s'accrocher. Si c'est pour l'acheter à sa valeur, vaut mieux attendre un tout petit peu. C'est bien si tu l'achètes un peu en dessous. Eh bien écoute, on va mettre ça de côté. Pour l'instant, on a l'enchère. À mon avis, voilà. Voilà, ça serait un peu le fil rouge, on va dire. Mais voilà, comme ça, on met ça de côté. Mais c'est très bien, en tout cas. Bien vu, chef Lindois. En plus, c'est un rapide. Moi, tu connais l'amour que j'ai pour les ailiers rapides. Donc, c'est très bien. Ça me semble très bien. Et en plus, avec de la passe. Scout efficace, hein. Scout Buteur, efficace, passe. chef, au moins. Ouais, non, mais chef Lindois, il est. Combien de fois on l'a pas remballé, entre guillemets, dans le sens où. C'est pas qu'on l'a remballé, c'est plus qu'on n'avait pas le budget, ou ça marchait pas, ou c'est trop cher. Mais il a toujours été efficace dans ses recherches. Hein. Ça, il n'y a rien à dire, chef Lindois. Très très bon. Écoutez, si ça vous va, parce que comme on a dit qu'on fait une petite émission, on n'a même pas encore commencé. Est-ce qu'on ne se concentrerait pas un petit peu quand même sur le match le plus important de la fin de saison, donc notre match de championnat? Ce serait pas mal de regarder ça. Donc, petit résumé, comme l'a dit Spy Ben, on est deuxième, on affronte le troisième. Donc là, c'est juste une question d'honneur et d'argent, finalement. Parce qu'il y a quand même une différence entre finir deuxième ou troisième. Je ne sais plus c'est quoi la différence, mais on peut regarder dans manuel. Des trois, c'est 300 000, hein. On est en D. On est 3. C'est 300 000 de différence? Ouais, c'est 1,3 million, 1,7 million. Ah, donc. On prend, tu vois. On prend le système de pool. C'est ici qu'on peut voir ça. Hein. Je vais quand même l'afficher, hein, comme ça tout le monde. Voilà ça. Division 3. Ouais, t'as raison. C'est 250 000, hein, je crois, entre deuxième et troisième. Oui, exactement, il y a 250. Oui, t'avais dit entre premier et deuxième, c'est ça, mais entre deuxième et troisième, c'est 250. On crache pas dessus, hein. Quand on a un petit club comme ça, entre 900 000, entre 925 et 675, j'avoue que c'est bon. Je vois que ça dit Motz, en tout cas. Ouais, à mon avis, ça, le Motz, de toute façon, on va pas y échapper. Ok, bah écoutez, c'est parti. On va regarder. Comment est-ce que tu analyses? Comment est-ce que tu. C'est une question très vague, hein, t'inquiète, je sais. Parce que ça dépend, j'imagine, des adversaires. Après, tes adversaires, à la dernière journée, tu les connais un petit peu aussi. Donc là, t'arrives Mais avec peut-être. la méthode est toujours la même. On va dire que c'est comme quand tu fais un projet, tu peux adopter tous les projets avec une même méthode, quels que soient les projets que tu fais. Donc là, de la même manière, je dirais que d'abord, j'irai regarder l'adversaire. Je vais regarder ses spécialités, je vais regarder ses notes. Ok. Vais regarder, bah là, quand on est sur un club, on a le droit au marquage individuel. Donc je vais regarder si je peux lui marquer soit un attaquant, soit un milieu de terrain. Oui. En fonction de la différence. Donc, regardons déjà l'adversaire que je ne connais pas. Moi, j'aime bien faire analyse de l'équipe quand même, tu vois. Je trouve ça sympa parce Analyse. que, en fait, tu vois, l'analyse de l'équipe, à notre, quand on est en petite division, entre guillemets, hein, petite entre guillemets, mais tu vois, on est quand même en Ouais. division 3 dans une nouvelle nation. Ça donne souvent quand même une tendance par rapport à la formation, tu vois. Est-ce que c'est quelqu'un qui varie ou pas? Et on voit que non, tu vois. Et ça, déjà, je trouve que c'est une information cruciale. On voit que notre adversaire joue toujours en 2-5-3, attaque au centre. C'est déjà une information incroyable, tu vois. Pour ça, bon, je pense qu'on a D'accord. peut-être.
On a Et déjà. si tu réduis par exemple à 4 semaines en prenant que les matchs voilà, de championnat, tu vas voir son effectif en dessous, quels sont les joueurs qui l'utilisent. Exactement. Et voir les spé, j'imagine, dans ce cas-là. On voit qu'en défense, il a un costaud, quand même. En milieu de terrain, un costaud, un joueur de tête. En ailier, il n'y a pas de rapide. Donc ça, c'est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de rapide. En fait, il n'a pas de rapide en défenseur latéral. Ah, il joue toujours en... Ah oui, non, il joue en 2-5-3, c'est ça. Donc 2-5-3 avec deux ailiers, deux défenseurs centraux. Donc... Il est totalement inexpérimenté, hein, c'est dans son équipe, le meilleur à 6. Au niveau de l'expérience, ah oui, c'est ça, au niveau de l'expérience, effectivement. Donc il n'y a pas beaucoup d'expérience non plus. Ailier, joueur de tête, après L'endurance n'est pas d'ici. extraordinaire. Ah, c'est vrai. Ok, donc 8, En 9 et là. vrai, moi, ma théorie dans ce cas-là, tu vois, on a déjà fait ça plusieurs fois cette saison, mais j'ai l'impression que notre 2-5-3 peut être meilleur que son 2-5-3, et je me dis pourquoi pas partir là-dessus, tu vois, tu sais, avoir la même compo que lui, mais meilleur, quoi, en Est-ce que gros. tu peux refaire la même chose sur chez nous? La même vue, vous? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire ça? Bien Ah sûr, oui, ouais, on peut. tu Ok, peux utiliser ta oui. propre équipe. Sur 4 semaines aussi? Oui. C'est juste pour voir. Et là, tu vois que nous, on varie. Tu vois, formation 5-2-3, 5-2-2, 3-4-3. Voilà. 5-2-2, ça c'est bizarre par contre. Non, ça c'est parce qu'à mon avis, il y a eu un carton rouge. Attends, pourquoi 5-2-2? C'est quoi cette compo? Bon, bref, on laisse tomber cette compo, c'est un peu bizarre. C'est du leader, apparemment. Ah oui, du ladder. Ah oui, c'est du ladder, ça va. Le ladder, oh, c'est pas grave. Ok, ça va. Ok. Donc, nous, tu veux voir quoi? Tu veux voir les joueurs Ce que je aussi, veux, par exemple? c'est juste tu sélectionnes juste les matchs de championnat, s'il te plaît. Oui. Parce que comme ça, on n'aura que nos matchs officiels à nous. Ok. Et juste revoir les joueurs à nous en dessous. Et voilà les joueurs. Donc, il y a déjà un peu plus de joueurs aussi. On fait plus tourner, hein, généralement, de toute façon. Et D'accord. on a beaucoup de space, ça c'est cool quand même. Grosso modo, on a des milieux de terrain qui sont, large, qui sont comparables, voire même un peu supérieurs à lui. On va dire comparable. Et en attaque, on est à peu près comparable aussi. Ah, je pense qu'on attaque, j'espère qu'on soit un petit peu devant. Mais bon, on verra, ouais, je... À voir. Et par contre, nous, on a quelques personnes expérimentées. D'accord. Est-ce que... Attendez, je suis en train de regarder. C'est vrai qu'on pourrait regarder. Attends, est-ce que je peux ouvrir dans un nouvel onglet? Comment je peux faire? Ah oui, comme ça. Ah non, c'est pas ça, attends. Parce qu'en fait, on pourrait voir même juste avec les notes déjà, tu vois, si je reprends mon adversaire. De quoi? Non, j'allais dire, tu peux switcher d'une équipe à l'autre Ouais, directement. j'avoue que je voulais dans deux onglets différents, mais c'est vrai qu'en vrai, Bien oui, sûr. on va pas se prendre la tête, mais c'est vrai qu'en fait, on peut faire nous, ça donne ça, tu vois. 9, 10, 10, 7, 8, 11, 7. 6, 7, 6, 9, 7, 13, 6. Ok, il a une grosse attaque centrale, en fait. C'est vraiment ça, tu vois. Donc tout l'enjeu, c'est l'attaque centrale à 13. Et nous, on a tout le reste au niveau de tous les autres. Alors, est-ce que tu peux me montrer ces attaquants? Ces attaquants, ici, voilà. Voilà, sur la même vue. On va regarder si on a un qu'on peut marquer. Par exemple, le rapide Hereros. Oui. Ou le technique, s'il le fait jouer tout le temps, mais il n'a pas l'air de le faire jouer tout le temps. Il a joué qu'un match sur les Ah, 4 derniers. exactement. Donc, à mon avis, il ne joue pas le technique. Ah, effectivement. On est mercredi, on connaît pas la météo. Non, effectivement. Nous, on joue dimanche, donc c'est pas fiable, c'est ça, hein, à mon avis. Ou même, on la connaît Parce pas du qu'on tout. n'a Attends. qu'à marquer le marquer. Si on a un défenseur correct, on peut lui marquer son joueur rapide. Ouais, c'est vrai. En plus, on a des défenseurs qui peuvent marquer, hein, qui peuvent, enfin, on a des marqueurs, on a des costauds, des choses comme ça, donc pourquoi pas. Il est à combien notre meilleur défenseur en valeur? Je te montre ça tout de suite. Donc, au niveau de la défense, on a Katsarov qui a 13 et un peu de construction, pas de spé. On a Opes qui est costaud, mais 11, 8. Attends, parce Ouais, mais qu'on oui. a mieux, hein. Lui, il est pas mal parce qu'il a de l'endurance et il est en forme. Ouais, c'est vrai, parce que sinon on a Gaïtanopoulos, mais il commence à être un peu âgé. Tu vois, il a 13 en défense et il est costaud, mais Ouais, mais il n'est pas en forme et il n'a pas pas très en forme. d'endurance. Et Exactement. le premier que tu m'as montré, il avait quoi d'expérience? Le Donc c'était Katsarov, il a un niveau celui qui de était 11. expérience Voilà. honorable. Ça offre. Ah non, c'est Lopez. Opes, ça c'était le Il 11-8 costaud, il est faible expérience.
Ouais, donc oui, ah, non, bah, avec Katsarov, ouais. Peut-être faire le marquage avec Lopez, parce que lui, il est en mettant défenseur central. Ouais. Et mettre nos deux. Alors, si on joue en 3-5-2, on peut mettre les deux autres défenseurs qu'on a et qui ont un peu de construction, on les met en arrière latéraux vers le centre. Et comme ça, on défend à 3 avec le défenseur central qui fait le marquage optimisé. Ok. Ça peut être ou deux En fait, défenseurs et un. attention que le problème du 3-5-2, Ah c'est que comme on entraîne buteur, je pense qu'on est un peu limité par les trois attaquants, tu vois. C'est vrai oui, qu'il y a ça donc aussi, il faut faire 2-5. attention. Ouais. Alors, 2-5-3, on peut jouer avec Lopez et Katsarov et mettre l'autre en remplaçant. Pourquoi pas, à fond, pourquoi pas. Je vais juste demander, on va demander au chat aussi, vous en pensez quoi du 2-5-3? Mais entre nous, je sais que le chat, il adore le 2-5-3. Hein, Spyben, on sait que notre chat, il adore le 2-5-3, il va être d'accord, tu vois, c'est sûr. Là, tu les prends par les sentiments avec le 2-5-3. Ouais, cette saison, je crois qu'on a fait du full 2-5-3 Mais quasiment. on a fait On a déjà souvent du commencé la 2-5-3. saison dernière, mais. Tu sais qu'en vrai, moi, c'est quelque chose que j'ai. C'est pas que j'ai appris, mais je faisais pas souvent de 2-5-3. Mais en fait, je me suis rendu compte, quand ton équipe est un peu devant, ben, ça fonctionne, tu vois. Le 2-5-3, tu y vas full offensif, milieu de terrain, il n'y a pas, tu vois. Ça, généralement, ça marche, quoi. Mais C'est vrai, tu vois, efficace, Granvin, ouais. 2-5-3 direct, avec un bonhomme avec des yeux en cœur. Oui, De tu vois, toute façon, c'est. avec la contrainte d'entraîner trois attaquants, Oui. il veut jouer pour l'attaque, sinon c'est 3-4-3 et t'as moins de milieu. Donc du En coup, il n'y vrai, a c'est pas ça, c'est vrai. de débat. Après, moi j'aime bien dans mes équipes de jouer soit 2-5-3, soit 5-5-3-2. Et donc j'ai Oui. une équipe qui peut faire l'un ou l'autre. De toute façon, là dans le chat, Web, chef Lindois, 2-5-3 sans hésiter si on mode. Ouais, en plus on va modser, donc bah, on est d'accord pour dire qu'on mode, ça, il n'y a même pas de sondage ou de quoi que ce soit. Ouais. Je pense que voilà, c'est le dernier match, il n'y a pas quoi. Donc ça C'est c'est. facile la prise de décision ce soir. Ben oui, c'est pour ça que je t'ai dit, ce soir c'est la dernière, on est Va tranquille, on est bien, bien. on se laisse guider, tu vois. C'est vraiment le mode, je veux dire, t'as pas le choix, tu vois. Enfin, finalement, c'est comme ça, quoi. Mais c'est bien. Parfois, c'est bien aussi, tu vois, de se dire, bah, voilà, on se laisse guider. Donc voilà, il faut savoir un truc aussi, comme ça, tu sais. Je vous coupe 2 secondes. Il reste 7 minutes sur l'enchère. Ah oui, ça, bien vu, c'est vrai, je. Voilà, et on est toujours devant. Oh, ok, incroyable, parfait. Et alors. Donc je suis ça de près, je vous refais une alerte quand il restera 2 minutes. Excellent. Et Bruges gagne toujours 1-0 contre la Fiorentina. Voilà, incroyable. Vraiment le match que tout le monde s'en fout, je pense. Mais moi, ça me fait quand même plaisir. Enfin, voilà. Ok, on veut Ganamé, Nyumu et Zeba en attaque. Mev qui veut Zeba en attaque? Bah, attends, Mev, c'est pas normal. Attends, vous avez entendu ça? Mev qui veut Zeba en attaque. Mais Mev, tu n'aimes pas Zeba? Non, c'est pas Il ça. est malade. Je crois que Mev Il est est malade. malade. Si quelqu'un le connaît, peut-être, allez voir chez lui. Il y a un truc qui va pas. Zeba, il a pas de spé, Mev. Attends, il y a un problème, mais bon, ok, pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Mais déjà, je pense que. Alors, comme ça, tu sais, Nico aussi, la mise à jour forme, elle se fait demain, tu vois. Donc, si maintenant il y a un gros changement au niveau de la forme, je pourrais adapter la compo, mais ça arrive rarement, tu vois. Normalement, on va quand même garder la D'accord. compo qu'on fait, mais comme ça, tu sais que, bah oui, les contraintes de la forme, etc. Qui, à la rigueur, à la place de Zeba? Voilà, mais là, je te reconnais, tu vois. Mais non, on verra, on va voir qui est en forme, parce que c'est vrai qu'il faut voir. Bah, déjà, on va aller sur l'attaque. Déjà, Sanogo, malheureusement, on peut pas le mettre. Donc, Nyumu, ça, on est d'accord. Ah oui, parce que Zeba est quand même plus en forme. Ganamé, un peu moins en forme. Mais pourquoi pas? Il disait quoi On veut Ganamé, Nyumu et Zeba en attaque. Donc ce qui est bien, c'est comme je t'avais dit, on a un peu toutes sortes de spé en attaque. Bon, malheureusement, le technique, on ne pourra pas le mettre parce qu'il est suspendu. Nyumu. Bah, qui a la place de Zeba? Non, mais je sais pas quelles sont ces différences de valeur, hein, donc c'est peut-être une Alors, bêtise. comme ça, je te le dis, Zeba, il Ah a. oui, qui les neuf? En fait, ça. Qui il est 9 en Oui. buteur, mais il est rapide et il a de la passe, tu vois, donc ça, c'est pas mal. Zeba, pardon, il est 11 en buteur, il a de la passe, mais il n'a pas de spé. Et sinon, après, on a Truchon et Ganamé. Alors, je pense que les gens préfèrent quand même Ganamé. Il est imprévisible. Bon, il est un peu moins en Oui. De forme. Il a 10 en toute façon, buteur. t'as 2 générations, t'as des 17, t'as des 18 et des un peu plus vieux. Exactement, exactement. C'est vrai que Truchon, c'est le dernier qu'on a sorti. Il est un peu plus jeune, on va dire. C'est vrai, il est un peu plus jeune que tous les autres qui sont sortis plus ou moins en même temps. Oui, donc après, Alors, voilà. Pidu, il y a une surenchère sur le joueur. Oh, attendez, il se passe plein de choses. Et je vois que tu as fait un beau sondage aussi. Hein. Mev est malade, Mev est fatigué, une idée de génie et Gilbert. Moi, je me Mev est fatigué, je pense. Enfin, ah non, je peux pas voter, c'est vrai. Je peux toujours pas voter au sondage, c'est honteux. Donc il y a une surenchère. On surenchérit bien évidemment direct, on réfléchit même pas. Hein.
Voilà, le dit crédit ne se laisse pas faire. Voilà. Donc n'hésitez pas, s'il y a une surenchère. Donc voilà. Donc oui, comme dit Grand Vince, ils sont tous de l'académie. Mais oui, ça c'est vrai que ça c'est incroyable, quoi. Tous de notre académie, donc c'est cool. Mais écoutez, est-ce qu'on met Zeba? Tu sais que maintenant, Mev, il m'a mis le doute. Pourquoi pas Zeba? Il a l'air plus en forme. C'est quoi, on peut mettre. Moi, si ça va voir, on met Zeba et Ki juste pour voir ce que ça donne au niveau des notes. Et après, on met Ganamé à la place de Zeba. Tu vois, on voit qu'on perd 0,5 et 0,25. Donc au final. Alors, il vaut mieux peut-être que tu mettes toute l'équipe pour voir l'influence. Faut que tu mettes les milieux Ouais, t'as raison, derrière. t'as raison, t'as raison. C'est vrai. On va faire ça. Non, mais t'as raison parce que ça va un peu rien dire. Je pense que de toute façon, on va mettre Schmalensee et Vieira. Donc c'est nos deux seuls ailiers. Au cas où, si on n'a pas l'autre ailier qu'on est en train de chercher. Donc ça, on n'a pas trop le choix. Et au niveau des milieux, c'est un peu pareil. Tu vois. Donc ça, je présente. Donc Nzajigwa, il est endurance faible. Ça fait un peu mal, mais c'est notre tireur de coup franc. Donc généralement, on le met, on le remplace à la 60e, tu vois, en gros, pour faire simple. On a Owerks. Oui, dis-moi, pardon. Alors sinon tu peux le mettre au milieu et à partir de 60 tu le mets en ailier vers le centre. Ah oui, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être une possibilité Faire ton aussi. tireur de coup franc jusqu'à la dernière minute. Ou au moins j'ai un peu plus. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait peut-être faire quelque chose dans ce style. Effectivement. Bah, écoute, on va le mettre ici. Et on le remplacerait. Ouais, on le mettrait en ailier vers le centre et on sort l'ailier pour. Ah, mais on n'a pas d'autre ailier, par contre, ça c'est le problème aussi. Ah, mais le truc, c'est que si on a que deux ailiers et en fonction de la note de milieu là qu'on va obtenir, si on est à peu près comparable avec lui en mode, on peut avoir intérêt à jouer avec un seul ailier seulement et un quatrième milieu qui est un ailier vers le centre. Comme ça, on garde notre deuxième ailier en remplacement si jamais il y a un blessé. Oui. Et on a surtout, on a plus de milieu. On sacrifie juste une aile, on garde une aile d'attaque et l'attaque centrale. Écoute, ouais, pourquoi pas. Franchement, ça peut être une idée. On va faire ça, si tu veux. Après, on fera les remplacements. En gros, ça serait un peu notre compo type, tu vois, on va dire. Un 2-5-3. 11 et demi, ah ouais, donc 11 et demi, on est bien parce qu'il était. Alors, est-ce que tu peux regarder en dernier match? Lui, il faisait quoi en note? Dans le dernier match à domicile. Attends, nous, on est à domicile en plus pour le dernier match hein, d'ailleurs. Donc lui, il sera à l'extérieur. Donc ça, c'est important de dire. Il faisait Non. 9,75. Mais c'était contre un Il a fait bot, hein, je crois. 9,75 en pix. Ouais, c'est ça, en pix. Mais à Donc il domicile. est. Ouais, 11 et demi, normalement, on est un peu au-dessus de lui. D'accord. Et il n'a pas de défense. Et au On niveau va de sa bien. défense, tu vois. Ouais, non, il n'a pas de défense, tu vois. Donc en gros, ça, c'est un peu notre avantage. C'est que notre attaque est au-dessus de sa défense. C'est juste que lui, son attaque centrale est au-dessus de notre défense. C'est le seul point un peu, on va dire, Dapidu surenchère. surenchère à Ouais. nouveau. Ok, on va se battre. C'est un Italien, j'ai compris dans le chat, un chef d'un qui dit, c'est un Italien, il faut envoyer Alpa en négociation. C'est vrai, on va envoyer Alpa en mission spéciale. Ok. Ça ou le voisin de chef lindois, Ouais, parce qu'il est peut-être. habitué à creuser des trous, donc ça peut C'est faire. vrai. C'est la négociation italienne, quoi, tu vois. L'autre ailier, il est blessé. Mais de toute façon, on va switcher entre la compo et l'enchère. Mais ok, ça va. Ok. Donc, nous, pour l'instant, on a ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que. Attends. Est-ce que nos ailiers, on les mettrait pas vers le centre? C'est une question, hein. Je vais juste voir ce que ça donne pour essayer d'augmenter encore plus ce milieu. Juste une question, on a combien de milieux de terrain corrects? Tu peux me montrer les trois milieux qu'on a Tout à fait, qui ceux qui sont là. sont alignés. Donc Nzajigwa, il est construction 13, passe 10 et coup franc 19. D'accord. Mais endurance faible, tu vois, ça c'est un peu le problème. D'accord. Lerchmüller, il est construction 12, passe 10. D'accord. Et Owerks, il est construction 13, passe 9. Et qu'est-ce que tu as comme. T'en as deux encore derrière dans l'effectif? Alors ça, attention, je vais te dire tout de suite. En fait, on a Zentringen qui est construction 14. Passe 7, mais il est en faible forme. Et ça fait un peu. C'est un peu chiant. On l'avait vraiment acheté pour terminer la fin de saison avec lui, mais il a décidé de ne pas être en forme. Donc ça, c'est un peu dommage. Et on a sinon pas grand-chose d'autre. Kuder, ça, c'est Et notre coach. sinon c'est Opès, c'est ça? Non, Opès, c'est un C'est défenseur. plus un défenseur, en fait. Mais tu vois, il est excellent. Je pense que dans ce Ouais, mais cas-là. il peut jouer. Oui. Alors, ouais. À la rigueur, lui, il peut jouer milieu défensif, quoi. Pourquoi pas, c'est vrai. En milieu défensif, mais dans ce cas-là, on perdrait un peu de milieu. Mais oui, pourquoi pas, c'est vrai. Est-ce que tu peux juste tester la compo? T'enlèves Vieira qui est moins bon que Malense. Ouais, au niveau de l'ailier. Alors, ce que tu fais, c'est que Jazzy, tu mets un des milieux en ailier vers le centre Ok. et Thèse avec Opes en milieu défensif. Donc attends, je sauve les notes. Je mets Nzajigwa en milieu vers le centre et je mets Opes en défensif à la place de Vieira, c'est ça, hein, je pense. Ouais. Là, on perd que 0,25 au milieu.
Et on gagne 1 en défense centrale et on perd un petit peu en attaque. Mais on perd quand même 2,25, oui, en attaque gauche, ça c'est normal. Attends, petite pause, transfert. Ok, une enchère, on replace une enchère, voilà, on se laisse pas faire quand même. Pardon. Désolé, ce sera le petit fil rouge, ça sera l'enchère, mais tout va bien. Pas pérenne, mais En fait, c'est pas si mal, mais ça pourrait être pas mal, tu sais, genre à la 60e ou un truc comme ça, pourquoi pas. le truc c'est que de toute façon lui il a pas de défense, donc nous on n'est pas obligé d'attaquer dans les trois secteurs, on peut attaquer sur deux. C'est vrai, c'est vrai. Et même avec 6, tu vois, avec 6, on est quand même à 46%, tu vois, en gros. Enfin, en fait, ça va, tu vois, c'est même pas si grave qu'on soit qu'à 6 sur le côté gauche, finalement. Alors, ça dit quoi dans le chat? Je négocie seulement quand Limb sera dans HT Actu. Si on fait une prochaine saison, on mettra Limb, promis, Alpa. Je t'ai dit, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu le temps, mais avec plaisir, je le ferai, Limb. On a un hymne national pour l'équipe aussi. Mais bon, on verra ça plus tard. Je vérifie, là, il a plus l'air d'enchérir. Ah! Alpa est en train de lui envoyer des HTML, des menaces, je crois, donc tout va bien. C'est en cours de négociation. Non, ne pas faire ça, bien sûr, chez vous. Il ne faut pas faire ça. Ok. Vous en pensez quoi dans le chat aussi? Dites-nous un peu ce que vous en pensez. De toute façon, le 2-5-3, là, on est tous d'accord. Et. Franchement, sinon, si on se prend moins la tête, tu vois, je pense parce que, en gros, nos Voilà, sinon, ailiers. remets la compo originale Ah, bah oui, en que fait, je peux faire t'avais. comme ça, voilà. Parce que, en gros, Par tu vois. contre, Oui. tu peux mettre Opes en remplaçant défenseur central, quoi. Ouais, tout à fait, ça bien sûr, ouais, bien sûr. Opes, on va le mettre en remplacement ici. Défenseur latéral, on va mettre Geaman, hein, tu vois, c'est notre. Il est comme il a de l'ailier aussi. En fait, Geaman. Ah, mais non, en fait, notre problème, c'est notre milieu. C'est Nzajigwa notre problème, c'est vrai. Mais Nzajigwa. Attends, il nous conseille qui en milieu? Parce que Nzajigwa, on peut le remplacer quand même par Zentringen. Ah, il est pas en forme, non, en fait, j'ai rien dit. Pour On 20, 20 ou pourra 30 minutes, tu vois. ouais, quand même à la fin peut-être. Peut-être à la fin. Suivant la mise à jour forme, parce que peut-être qu'il va reprendre de la forme d'ici demain aussi. Il est 4 en forme, donc peut-être, je sais pas. Ouais. Tu peux au moins à partir de la 65, l'autre il est Oui, cramé, hein. exactement, exactement. Attends, petit tour transfert. Oh, et on est pas mal. En vrai, attends, je crois que ça va être fini bientôt. Ok, on nous croise les doigts. Et ça serait une super 1h38, là, affaire. ça finit dans quelques secondes. Hein. Alors, sauf si c'est 20h39 et 59 secondes, mais sinon, là, on est déjà passé 20h39 sur Et notre rig. en vrai, c'est une super affaire, genre vraiment, quoi, je trouve quand même. Il est quand même C'est pas pas mal. fini, hein, 39, t'as T'as encore un raison, petit t'as peu. raison, t'as raison. On va rien dire parce que j'ai l'art de porter la poisse de toute façon, donc je dis rien, c'est bon. Entre les deux vues, il n'affiche pas la même heure. Ouais. Bon, en ailier, on va mettre aussi. Oh, je crois qu'on va mettre Traoré, mais bon. C'est un peu un ailier un peu voilà, moins bien. Il fait partie des joueurs de base, on va dire. Mais on est pas mal. Alors, on a une tradition, surtout pour le dernier match. On met toujours Gilbert. Voilà. Alors, il s'appelle Gilbert Best, tu vois. C'est un peu notre mascotte. Il est là depuis le début et tout le monde l'aime bien et on n'en a jamais rien fait. Mais c'est un peu notre mascotte et on le met en extra, tu vois. Alors, ça n'a Pas aucun qui rentre. sens. Ouais, ça Pas n'a. qui rentre. Faut pas qu'il rentre idéalement, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est un peu notre mascotte, tu vois. Il nous porte chance et depuis qu'on fait ça, on gagne. C'est vraiment. On dit, on dit. Dans le chat, en plus dans le chat, il y a une espèce de mafia autour de Gilbert. Il y a un fan club, tu Oui, vois. Donc, il y a un fan club, on a la ouais. Il pression. y a un lobbying À énorme. fond. Et il y a une enchère d'habitude. Ah non, non. C'est Luto 17, c'est qui lui? Un Italien. Oh, c'est que des Italiens. Non, mais là, attendez. C'est question d'honneur, on va pas laisser un Italien. Non, je rigole. Est-ce que tu mettrais pas une petite enchère automatique, Ouais, ce sera plus simple, t'as peut-être raison. pour éviter d'y retourner pendant quelques Jusque temps, 1 histant que vous million. puissiez faire la compo Mais avancée. jusqu'à 1 080 000 pour l'instant. 1 080 000? Ok, je te suis Ouais, là-dessus. 0,80, 0,80. 1,080 954. On fait ça? C'est Ouais, bien. Parfait. voilà, vas-y. C'est parti. Parfait. Ouais, non, mais t'as raison, comme ça on peut quand même un peu se concentrer sur la compo quand même. Et puis c'est démotivant parfois quand les gens, ils cliquent et ils voient que directement il y a une enchère automatique. Donc c'est vrai que c'est pas mal stratégiquement. Ok, donc le 2-5-3, on part là-dessus pour l'instant avec un remplacement de Nzajigwa. Donc c'est là-dessus. Petite analyse, comme ça on va demander aussi aux gens dans le chat ce qu'ils en pensent. Donc voilà ce que ça donnerait, sachant que là on est en train de se baser sur un match où notre adversaire était à domicile et en pique. Donc on sera peut-être pas loin de ça, à voir. À l'extérieur, il était comme ça. Contre les Burkina Faso Raptors, peut-être qu'il avait laissé tomber, qu'il était en pique aussi. C'est dur à dire. Est-ce qu'il pique et est-ce qu'il motte? Ça, c'est une bonne question. Attends, on va regarder un autre match à domicile pour voir. Et il fait la même note à domicile à chaque fois. Tu sais quoi? Je suis pas sûr qu'il pique en fait, en vrai. Non, okay, il fait 9,75 à chaque fois à domicile.
et 8-25 à l'extérieur tout le temps. Il faut regarder en fonction de son entraîneur. Bien vu, bien vu. Avec un faible tempérament de chef, il s'embête peut-être pas à gérer le TS. On est quand même à un niveau où parfois les gens ne font pas des pics, tu vois. C'est possible, enfin, c'est, ça pourrait arriver. Comment est-ce qu'on sent Ou entraîneur? regarder combien de fois il se connecte, parce que ça se trouve, il se connecte très peu. Alors lui, par contre, on joue contre lui depuis le début, hein, donc je pense qu'à mon avis, c'est quand même quelqu'un qui D'accord. se connecte. Mais t'as raison, on peut toujours regarder à ça, mais non, il se connecte quand même régulièrement. C'est un joueur suisse qui Oui, a plein il a d'autres quatre clubs. équipes, il Il a a quatre quatre équipes. équipes, donc je pense qu'il se connecte et tout quand même sérieux, tu vois, ça bien D'accord. sûr. Alors, ce qu'on peut regarder pour affiner notre tactique, c'est regarder dans son 2-5-3 de son dernier match, comment son équipe elle est située. Est-ce qu'il a des ordres pour tout? Est-ce que ses deux ailiers sont déjà vers le centre? Est-ce qu'il a des possibilités d'améliorer encore son milieu de terrain, par exemple? Tu veux qu'on regarde quoi avec son équipe, c'est ça? Avec son dernier match, parce qu'il a l'air de mettre un équipe à chaque fois, tu vois, juste son dernier match. Ça donne quoi son dernier match? C'est. Ah bah non, il a déjà mis vers le centre les ailiers. Le match Ouais, tout à officiel, fait, contre le FC c'est Saint-Fouli. ça, pour l'attaque au centre. Donc, au mieux, c'est ces deux défenseurs qui vont vers l'aile, il peut peut-être les mettre normal ou offensif. Ouais. C'est vrai que c'est Et bizarre qu'il comme ça. mette ses défenseurs vers l'aile. Bon, il y a peut-être une raison, mais. Ah oui, je jouais contre un bot qui fait du. Enfin, qui fait un peu plus sur les ailes. Ok, c'était pour ça, en fait. Ok. Mais. À mon avis, au niveau du milieu, on est un peu au max qu'il peut faire. À part qu'il va modser, bien évidemment, comme dit Chef Lindois. Ça, c'est vrai. Il va modser, c'est la J14. Et encore s'il mode, parce que je suis sûr qu'il y a des joueurs qui, peut-être, ne modent même pas en J14. C'est possible, tu vois. Lui, je sais pas, notre adversaire, j'ai aucune idée, mais. Ça peut Au arriver. mieux, il sera à 11, il sera peut-être à 10,5. C'est ça. Écoute, ça me semble quand même pas mal en vrai. On a fait du mieux qu'on On est bien, on pouvait. est bien. Ouais, non, je pense qu'on a en vrai on est bien. Est-ce que ça vous va dans le chat aussi? Mais je pense qu'on n'est pas si mal. Attends, on va regarder juste le transfert. Ok, ça monte, mais on a toujours l'enchère, bien évidemment. J'ai plus l'onglet, mais j'espère que j'ai sauvé. Ah non. Bon, j'ai pas sauvé, mais ne vous en faites pas. Je suis un professionnel. Ça, j'ai pas sauvé, j'ai retiré l'onglet. Ok, super. Mais de toute façon, je sais exactement ce qu'on a fait. Hein. Je connais l'équipe sur le bout des doigts. Donc on avait fait Bouchlal, Rabier. En défense, de toute façon, on avait mis Katsarov-Dinek comme ça. Ensuite, nos deux ailiers, on n'avait pas trop le choix. On avait mis Chmalenzi-Vikera. Au milieu, parce que de toute façon, on doit encore faire les remplacements. Hein. Nzajigwa, Owerks, Lerchmüller. Ça, c'est. Voilà. Et en attaque, on avait mis Nyumu. Nyumu, j'aime bien le mettre au centre, c'est l'attaquant normal, donc voilà. Zeba et Ki. Et Ganame en remplacement. En remplaçant ailier, on avait mis Traoré qui est un ailier, bon, un peu moins bien, mais voilà. Gilbert, bien évidemment, en extra. Et au milieu, on a mis Zentringen qu'on fera rentrer même s'il n'est pas en forme. Et on espère qu'il va prendre de la forme, c'est possible. S'il perd en forme, là, on verra, on avisera, hein, mais bon, on va espérer que ça n'arrive pas. Jaman et Hoppes en défense centrale. Donc voilà, c'était un peu ça la compo. Là, je sauve maintenant, faut pas déconner. C'est un trader, l'italien, et 8e en D7. Ah mince, ok. Et donc au niveau des remplacements, donc Nzajigwa, Zentrigen à la. C'est fini, les enchères c'est terminé, c'est bon, on l'a eu pour 915 000 euros. On a les Ben droits. voilà, Parfait, très bon achat. magnifique scouting de De Chef Chef Lindoua. Lindois. Mais ouais, Ouais, parce que Chef Lindois. ça nous donne un Bravo nouvel ailier chef. rapide, donc bien joué. Très bien joué. Il est beau. En plus, il est magnifique, hein, ce joueur. Et c'est vrai qu'il va se revendre plus cher quand il sera plus blessé. Hein. Ben, en gros là, vraiment à cette période-là de l'année, les joueurs s'achètent moitié prix, hein, quasiment. C'est fou, hein, parce que c'est vrai que la comparaison était à 1 600 000 et on l'a eu à 900 000, hein, c'est incroyable. Et puis tu vends tes joueurs le premier samedi de la première journée, tu les vends hyper cher. Trop bien. Franchement, bonne nouvelle et rien à Mais dire. Et. celui-là, on peut le garder longtemps, celui-là. Ben, je pense que celui-là, il va faire la saison prochaine avec nous, hein, à mon avis. Parce que la saison prochaine, à mon avis, si on continue, il y a des chances, mais je pense qu'on veut jouer le titre. Tu vois, dans ce cas-là, des joueurs comme ça peut, ça commence à être intéressant. Hein, des ailiers rapides. Polyvalent, donc bien joué. Bien joué, chef, rien à dire. On va finir la compo, parce que c'est vrai que le temps passe, hein, je vois que le temps file à chaque fois. Donc Nzajigwa, on le remplace à la 65e peut-être? Je pense que c'est pas mal. Je crois qu'on sait ce qu'on fait habituellement, hein, de mémoire. Dapidou, si je peux Oui, me permettre un commentaire, dis-moi. tu as Zentrigen qui passe normal forme, tu peux lui le mettre à la place de Vikera en ailier vers le centre
pour encore plus augmenter ton milieu et là être totalement sûr de maîtriser le milieu. Et donc Tout là, à on fait. aura. S'il prend de la forme, on est d'accord, hein. S'il prend quand même un ou Voilà, deux niveaux de s'il forme, ouais. prend de la forme, tu peux le mettre en milieu, en ailier vers le centre. Et à ce moment-là, tu fais pas de remplacement de Nzazingwa et tu fais juste une inversion de leur rôle à partir de la 60e. Ok. Mais en attendant, on le fait quand même rentrer à la place de Nzajigwa. Imaginons qu'il prenne pas de forme, tu vois, c'est le cas de figure Ouais, mauvais. On fait ok. comme ça. Voilà. Mais par contre, s'il prend de la forme, on fait ça. Je vais quand même noter parce que je me connais, tu vois, j'ai une mémoire de Pour faire une poisson-pot. suggestion, Ouais, non, mais très poisson. bien. Ça me semble bien. Et donc, s'il rentre pas, on le met en ailier vers le centre et on le remplace par on le switch de poste avec Nzajigwa à la 65e, c'est ça? Ouais, ou 60 même, tu Ou peux. 60. Ok. Ok, parfait. Comme ça, on peut faire ça. Ça dépendra vraiment de demain. Ça, on verra demain avec la forme. Et dans ce cas-là, ton milieu de substitution, pour moi, ce serait Opes. Oui, c'est Parce ça. que Et on met si. OPS. Ouais, tu sais quoi, d'ailleurs, on peut le mettre même ici, en fait, d'ailleurs. Le mettre en deuxième. Ouais. Je le mettrai ici, je crois. Ok. Comme ça, voilà, on peut faire comme ça aussi. Ouais, Alors, tu peux le effectivement. faire de. Voilà. Oui, c'est ça, directement dessus. Mais il faut être dans composition. J'étais en ordre collectif. Ok. Et alors. Un nouvel ordre collectif, et là, Spyben, tu le connais cet ordre. Est-ce qu'on va y arriver un jour? Ça, c'est la vraie question. Alors, c'est, en fait, c'est l'ordre au cas où Alors, on a un. j'ai envie de te dire quelque chose. Bonne chance. Alors, en fait, c'est l'ordre, tu vois, le classique de. Alors, c'est pas ça. J'y arrive jamais, j'y arrive jamais. Changement d'ordre. C'est Balzé qui rentre à la 89e si on mène de 3 buts. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est. En fait, ah, c'est vrai qu'on pourrait. Ça, alors, on pourrait aussi, bien sûr. Une petite Tu peux folie. le faire rentrer, hein. Tu peux le faire rentrer si tu mènes de 2 Ça me buts à plaît la bien, fin. tu vois. Là, on va juste faire d'abord le remplacement. Si on a un. Si on a un. Comment dire? Un attaquant qui est exclu, eh ben on fait rentrer un autre Ouais. attaquant, tu vois. Comme ça, on garde l'entraînement, etc. Donc, en fait, c'est ça, tu D'accord. vois. Donc à ce moment-là, à la place d'un défenseur. Exactement, à la place de, j'imagine, Dinec, hein, qui a moins de construction. Ouais, ça, à la place de Dinec qui a pas de construction. Je suis en train de me poser une question. Attendez, 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 attendez. Je La peux me place de permettre. Kattarov parce que il a plus d'endurance et il est plus en forme. Hein. Mais est-ce que je peux me permettre d'essayer quelque chose hein? Juste, est-ce qu'on mettrait pas Gaetanopoulos à la place de Dinec pour voir? Parce que ça se peut qu'on prenne du milieu avec ça, tu vois. Si on fait ça. Ah ouais, en fait, on perd 0,5 en défense centrale, mais on prend 0,25 en milieu. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est moins bien? Tu vois, ça, c'est la question. Tu peux montrer son endurance et sa forme à Gazanopoulos? Salut Katox, je vois Katox qui doit partir. Salut Katox. Gaetanopoulos, il est en forme 6, endurance 5. Et OP, c'est ça que tu m'avais dit? Non, attends, je sais plus c'est qui. Gaetanopoulos Moi, 6, 5. ce que je. Non, c'est un troisième, c'est un autre défenseur, c'est Dinec que tu as utilisé. Moi, je serais Ah oui, toi, pardon. j'utiliserais Dinec et Katsarov et je changerais Katsarov par Gaetanopoulos. Plus tard dans le match à la 60e, 65e, un truc comme ça, c'est ça? Exactement, Ok. parce qu'ils sont tous les deux inadéquats endurance. Écoute, on va mettre Gaetanopoulos à la place de Opes. Ouais, à fond, on va faire ça. Et comme ça, c'est un remplacement. Donc on peut faire effectivement Katsarov, remplacement Katsarov par Gaetanopoulos à la 65 aussi. Tu vois, comme ça, on garde la 65e pour les deux. Là, on va rebooster un peu. Et encore, Zetringen, il faudra voir, bien évidemment. Et la dernière chose, c'était donc s'il y a un attaquant qui est exclu, donc dans ce cas-là, on fait. Ganamé à la place de Dinec, du coup. Exactement, Ganamé à la place de Dinec. Et donc on fait quoi? C'est remplacement Ganamé. Non, pardon, Dinec sortant, Ganamé rentrant. Condition avancée, c'est ça, hein, en attaque. Juste parce que c'est lequel des attaquants qui a le potentiel pour être exclu? Aucune idée, je t'avoue. Vous mettez un ordre, un seul ordre pour les trois ou Ah oui, ça ça, en vous change? fait, c'est un ordre pour les trois. Tu vois, donc en gros, là, on va dire donc Dinex sort, Ganamé rentre, va se mettre en attaque si expulsion d'un de mes attaquants, tu vois, en gros. Mais là, pour moi, quand tu mets là, c'est pour faut que ce soit Nyumu qui soit Non, 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 expulsé. non, 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 ça, c'est. Non? Si je dis pas de bêtises, ça importe peu, en fait. Ah, d'accord, ok, Je te jure, t'es ouais. pas Ah de oui. la position. Oui, c'est ça. En fait, c'est de manière générale, hein, ça. Dites-moi dans le chat, confirmez-moi, hein, c'est ça, hein, dans le chat. Mais on est d'accord, on a toujours fait ça, donc je pense que. En fait, ça importe peu. En fait, il va prendre la place d'un attaquant, on va dire, que ce soit D'accord. centre, gauche, droite, tu vois. En fait, ça change. D'accord. Oh, j'ai perdu mon casque, pardon. Ça change rien, fondamentalement.
Tout à fait, grand Vince nous confirme, ok, tu vois, et tout. Ouais, non, c'est ça. C'est. J'ai appris quelque chose. Ouais, mais tu vois, ça fait plaisir parce que c'est vraiment, c'est le but, on va dire, de l'émission. Et je pense qu'on peut tous apprendre quelque chose, tu vois, même. Tout Après, à fait. je vais te dire un truc, franchement. Moi, Tous les jours. il y a des choses que je pensais savoir et qu'en fait, j'ai réappris. Parce que, tu sais, parfois, tu as ton habitude, tu joues depuis 10 ans, 5 ans. Tu dis, ah ouais, mais ça, je connais, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu connais plus ou tu connais pas ou ça a changé, tu vois. Donc, c'est ça qui est chouette, ça fait Clair. plaisir. Moi, tu vois, moi j'aime bien dans mon staff U21, il y a des nouvelles personnes qui intègrent le staff et justement chacun apporte de Bien l'expertise sûr. différente. Donc c'est bien. Ouais, non, c'est top, tu vois, et c'est ça, c'est plein de petits Apprendre. détails. Moi, à chaque fois que quelqu'un. Et tu sais que parfois, je reçois des messages, des HTML ou quoi, des gens qui découvrent et tout, et qui disent, ouais, j'apprends des choses et tout, bah, c'est avec SpyBen et tout, c'est ce qu'on a toujours dit, même avec Z au départ, c'est. Le but, c'est de. Enfin, si on apprend des choses aux gens et que nous-mêmes, on apprend des choses, c'est mission réussie, donc ça fait plaisir, en tout cas, si tu me dis ça. Un joueur doit être ajouté en tant que remplaçant normal. Ah mince, attendez, on a un problème. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est obèse parce qu'il est en second milieu, mais il n'est pas dans les. À ce moment-là, il faudrait qu'il soit en extra. Ou sinon, non, tu. Faut, ouais. Mais De quoi? toute façon, Guéhaman, il n'a aucune chance de rentrer. Il jouera jamais. Donc tu peux enlever Guéhaman et mettre obèse à cet endroit-là en défenseur latéral. Ah mince, attends. Ah oui, ok, attends. Alors je dois aller ici dans composition. Et maintenant on retire. OPS. Ok, comme ça. Et là on peut Alors, faut que tu le sauver. fasses. Voilà, depuis Ok, composition. ouais. Ok. Bah parfait, écoute. Là je pense qu'on est bien au niveau de la compo. On est plutôt Et tu peux bien. le, tu peux le, si tu retournes en composition, tu peux remettre aussi Opes en deuxième milieu central au cas où il y a deux blessés, quoi, ou un Ah blessé après le champ. oui. Oui, bien vu. Ok, ça c'est fait. Oublie pas le mode. Oh, bien vu. Putain, incroyable. Mev pour ça, tu vois, c'est la valeur sûre. Ça, c'est le genre de détail, tu vois. J'ai refait la compo, j'ai pas pensé au mods, quoi. Ah, bah, Grand Vince aussi. Bah, Chef Lindor. Ok, en fait, tout le monde, pardon. Tout le monde avait vu. Effectivement, le mode, c'est autant pour moi. Mais là, c'est fait. Là, c'est sauvé, re-sauvé. Là, on est bien. Est-ce que ça vaut. Est-ce que tu veux pas aussi rajouter encore des ailiers, des ordres vers le centre si jamais on mène pas sur la fin pour ajouter encore du milieu? Parce qu'on sait qu'en défense il n'est pas bon, mais au milieu, c'est bon jamais. S'il fait un transfert de dernière minute ou ce genre de choses, quoi. T'as raison, t'as raison. Je vais juste regarder ce que ça donne quand on les met vers le centre. Ouais, on prend quand même 0,5 au milieu, on perd un petit peu en attaque, mais c'est pas grave. À fond. Donc en gros, c'est si on mène pas à partir d'une certaine minute, par exemple, c'est ça? Exactement, ouais. Genre, imaginons, nouvel ordre 70, tu peux collectif. faire. Donc c'est changement d'ordre, j'imagine. Ouais, Schmalen changement d'ordre. C. Vers le centre, c'est ça, un Schmalen C vers le Ouais. centre. 70. Si Si l'équipe. l'équipe ne gagne pas. L'équipe ne gagne pas. Magnifique, ça c'est un beau. Ouais, j'aime bien cet ordre. Très bien. Et on fait le même avec Vikera, j'imagine. Avec Ouais, ou l'autre alors ailier. est-ce que tu pourrais faire comme ordre si tu pourrais tout à fait remplacer Njazingwa un petit peu avant le moment où il doit être remplacé par Opes en défensif si jamais on menait de buts d'écart, par exemple. Mais pour une autre fois, pas forcément pour ce soir. Ah oui, mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, parfois, pour un même joueur, j'ai programmé deux ordres, un ordre normal et un ordre de minutes avant dans une configuration qui m'intéresse. Bon, le problème, c'est qu'on va être limité. On est limité à 5, tu vois. Là, on est déjà Voilà. aux ordres collectifs maximales. Mais j'aime bien l'idée, tu vois. Mais là, t'es en train de nous faire une compo d'équipe nationale. Hein. Genre, vraiment. Non, 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 tu peux mais faire c'est dans la beau. limite de tes cinq ordres, hein, tu peux tout à Oui, fait. c'est vrai. Non, mais dans le sens où tu fais c'est des beaux changements. Je trouve que c'est des beaux changements, tu vois. C'est vrai que ça, on n'avait jamais fait encore, mais c'est une bonne idée, tu vois. On mène pas 70e vers le centre. Très bien, quoi. C'est beau. Il faut juste que tu rajoutes si l'équipe ne gagne pas. Oui, tout à fait. Oui, pardon, j'étais en train de. L'équipe ne Vikera. gagne pas, ouais. Ok, parfait. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour la compo. Hein. De toute façon, on est plutôt bien. On a fait des choses bien. Est-ce que tout le monde est content aussi dans le chat? Dites-nous hein, si ça vous va la composition. Mais je pense que là, on est bien. Hein. T'en penses quoi, Nico et Spyben? On est. Ouais, c'est bon, hein. Grosse compo. Je pense qu'on est quand Bah, même. là, vous avez bien bossé quand même, hein, Ouais, on est franchement. à domicile, on est plutôt pas mal, tu vois. Normalement, ça devrait bien se passer. J'espère, On va enfin. vérifier une dernière fois qu'il y a le mode. T'as raison. Ouais, match le plus important, Et parfait. le capitaine et le tireur de coup franc. C'est vrai que d'habitude, on les laisse par défaut, mais c'est vrai qu'on Ah, pourrait les d'accord. choisir. Non, mais c'est vrai qu'on les laisse par défaut, parce que normalement, c'est le meilleur joueur. Donc théoriquement, on a toujours eu. Donc notre tireur de coup franc, c'est Nzajigwa. Bah oui. Oui, c'est par défaut. Mais c'est vrai que c'est par défaut. Et notre capitaine. C'est qui notre capitaine habituellement? Attendez, on va regarder au dernier match pour voir hein, qu'est-ce qu'il a choisi, mais je pense qu'à mon avis. Est-ce qu'on peut le voir ici, le capitaine? Ah oui, c'est ça. C'est Lerch Müller.
Lerch-Müller qui est, alors on va regarder quand même pour être sûr, populaire, calme, honnête, expérience formidable. Ok. C'est le meilleur au niveau de l'expérience. Attends, je vais regarder. Non, non, c'est une Jazz. C'est parce qu'en fait, il a dû faire le remplacement pendant le match. Ah oui, Il a fait. ok. Ah oui, effectivement, c'est Ndjajigwa, légendaire. Donc on met Ndjajigwa aussi, hein, je pense, j'imagine. Ouais. On vous laisse par défaut, il le fera tout seul Ouais, du en fait, coup. oui, ça serait que d'habitude, on le laisse par défaut. Je pense que ça, je sais plus qui, mais quelqu'un nous avait dit que ça marchait quand même assez bien. Tu vois, normalement, ça va, tu Bah, vois, t'es si tu pas fais rien, obligé. il prend le meilleur, ouais. En fait, c'est ça, il prend le meilleur, ouais. Par rapport à la formule et tout, j'imagine. Écoute, c'est sauvé, c'est très bien. Moi, je pense, si ça vous va, on passe chez les juniors parce que le temps file. On avait dit à 21h, on arrête, il est bientôt 21h. Bon, c'est pas grave, on passe un bon moment et puis les gens écouteront en rediffusion, mais c'est pas grave. Ça te va si on passe chez les juniors? Très bien, très bien, très bien. Est-ce que j'ai une question ultra importante? Je pose toujours la question aux invités de toute façon. Est-ce que tu es plutôt chanceux ou pas avec l'Académie des jeunes? Est-ce que tu t'estimes chanceux ou tu t'estimes justement poissard? À l'inverse, Moi, poissard. j'estime que tout n'est pas de la chance la partie junior, parce que Ah, ok. quand un joueur arrive, on a deux informations sur lui. Le fait d'aller sur les joueurs stratégiques, découvrir les informations les plus importantes très vite. On peut le faire avec les ordres. Moi, quand j'ai un joueur vraiment qui a un bon potentiel, je vais aller le découvrir. Je vais vraiment, pour pouvoir l'entraîner à fond, je vais découvrir toutes ses caractéristiques tout de suite. Et donc, du coup, je vais adapter mon équipe pour être sûr de découvrir ses caractéristiques à lui, et que ça tombe pas sur un autre. Je vais pas attendre 3, 4, 5 semaines avant de connaître là où il peut arriver. Ok, je vois ce que tu veux dire, oui. Donc, Donc tu peux gagner un peu de temps. bien Après, sûr. moi je faisais l'ancien système où tu gagnais parce que tu faisais des matchs amicaux, tu changeais de poule avec des poules de 4. Et donc oui, moi j'avais eu de la chance, j'avais gagné la coupe HAL la troisième saison parce que j'avais vendu un Éthiopien à 12 millions. Donc Ah oui, ok, j'ai. ça j'avoue. Bon, t'as eu ton quota de chance pendant 10 ans, pour 10 ans, quoi. Exactement, voilà. Donc oui, et la réponse c'est oui. Mais sinon, j'ai que des équipes de jeunes dans chacun de mes clubs. Ok. Ou si je suis pas au hasard les joueurs. Je gère les équipes juniors aussi, ouais. Ok, très bien. Bah écoute, comme ça on va voir. J'ai mis le sondage. Ah oui, alors on a une tradition aussi ici, c'est on aime bien demander aux gens via le sondage et via le chat, et on va te demander à toi aussi. C'est alors c'est juste pour le fun, hein, bien évidemment. Est-ce que tu penses que c'est le premier recruteur, le deuxième recruteur ou le troisième recruteur qui va prendre, qui va avoir, qui va tirer au sort le joueur qu'on va garder, tu vois. Et si c'est le troisième, est-ce que ça va être un bon ou est-ce que ça va être une chèvre, tu vois. C'est un peu la question qu'on pose chaque fois aux gens. Alors, on va pas forcément tous les tirer parce que si on a un mec bon, on va C'est pas le laisser ça. passer. Exactement, exactement. Mais en fait, c'est ça le piège. Alors. C'est ça. Techniquement, la difficulté, c'est que si tu dis un, tu sais bien que, tu sais, si le premier tireur, enfin le premier recruteur, t'as un joueur moyen, tu pourrais dire, bon, on peut aller voir le deuxième, tu vois. Mais d'un autre côté, comme tu dis, si le premier, c'est une pépite, ben, on le garde aussi, quoi. Donc, ouais, c'est un peu ça Oui, alors tout. vous avez mis rechercher attaquant. D'accord. Moi, Alors, j'étais. c'est une tradition. C'est comme ça qu'on a eu plein d'attaquants. Ça, c'est fou. Mais on l'a laissé. C'est un peu une tradition. C'est en fait, c'est Vala, la première émission qui avait fait ça. Et on a gardé un peu ça traditionnel. Tu vois. En fait, chacun a mis un peu une petite pierre, tu vois, dans le club. Et j'avoue que là, Vala a mis ça. Et on peut pas le changer. Tu vois, c'est un peu le parrain. C'est difficile, quoi. D'accord. Mais c'est bien. Bah peut-être allons chercher l'attaquant d'abord, si jamais c'est une grande pépite, vu qu'on est formateur d'attaquant. Mais Enfin, j'ai quand même envie de te demander un, deux ou trois quand même. Tu dois jouer le jeu. Est-ce que tu penses ah, que, tu vois, c'est lequel sera le meilleur? lequel sera le Alors, meilleur? je vais dire, Au on feeling. va commencer par le 1, le meilleur ce sera le 3, Ok. et on va faire 1-3. Le 2, on ne le verra jamais. Ok. Écoute, j'aime bien. Donc, attends, mais ça veut dire que les gens, si, ils doivent dire deux pour le trois, quoi. Enfin, le 2, on le verra si je me suis foiré. Ça Voilà. va. Ok, Pas ça va. mauvais. Ça va. Ok. Et Spy Ben, tu dis lequel aujourd'hui, cette semaine? Alors, j'ai voté 3, moi. T'as voté Et 3. pareil, alors. Écoute, tu vois vraiment la sécurité. Moi, je dis 1 parce que, tu vois, on avait dit on finit à 21h. Donc là, on tire le 1, c'est fini. Voilà, on ferme l'émission. Salut à tous, quoi. Parfait, non? Donc toi, t'as dit 3. Attends, on va pas partir comme ça. Mais non, mais c'est pour La rire. Non, t'imagines. dernière qu'on fait, la dernière qu'ils verront sur Twitch. T'imagines, genre, allez, ciao! Non, pas du tout. Donc, Nico et toi, vous êtes d'accord pour dire le 3, ok, pas mal. Moi, je dis le 1, je suis confiant aujourd'hui. Vas-y. J'ai compris le Commence truc. par Salut Toto, ça va? Dayo. Ouais, on commence par Dayo, on commence par moi. Toto Thomas qui dit, j'ai compris le truc maintenant, j'arrive pour les jeunes, faut varier les gars. Mais non, mais c'est très bien, Oui, c'est la tradition, quoi.
Mais là, on va varier. Donc là, on tire le 1, on est d'accord. Hein. Donc là, c'est pour moi. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Personne n'a mis le 1. Bon, c'est parti. Ah, Hein. c'est bon. Attention. Attends, il faut sûrement virer un joueur. Ah ben non, on a vendu un joueur. Bonjour, chef. Ah, déjà, ça commence. J'ai trouvé quelqu'un qui semble être un bon candidat, un candidat intéressant. Il a 15 ans, s'appelle Bamba Philidori. À ce moment de sa carrière, ce joueur a un niveau de passe inadéquat. Entraîner ce joueur correctement, il aura un niveau de défense faible. Et il n'a pas de spé. Ben moi, c'est non, je crois. Ouais. En fait, le 15 ans m'a mis l'espoir. Et puis bon, inadéquat, défense. Enfin, inadéquat, passe, faible potentiel Il peut, défense, pas de spé. ça peut être un bon milieu, un bon attaquant, on ne sait pas, mais il a en plus, mais il n'aura pas de spé, donc on a deux potentiels recruteurs, on va le laisser passer. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Même si c'est mon tirage, je suis d'accord. Je pense que c'est un non. Poubelle, pas de spé, on jette. Fossé du voisin. Oubliette. Ok, bon, écoutez. C'est un non, on est d'accord. Là, on est tous d'accord, malheureusement. J'espère quand même tirer un bon joueur pour la dernière de la saison. Ce serait quand même bien. Pour faire, tu sais, le fil rouge pour la saison prochaine, quand même. Donc là, tu disais, là, on tire le 3 maintenant, c'est ça? Ouais, Mais allez. le 3, c'est celui que vous avez choisi, toi et Spyben. Hein. Ok. Putain, ça change un peu, tu vois, c'est pas mal. T'es un des premiers à faire ça, donc attention, ça peut porter chance. C'est parti. Bon, déjà 16 ans, désolé. Abdraman Zanzé, il a 16 ans, à ce moment de sa carrière, ce joueur a un niveau de construction médiocre. Selon moi, ses aptitudes globales sont niveau faible. S'il évolue correctement, ce gars peut at probablement atteindre un niveau faible en construction. Est-ce que je peux lui offrir une place? Bon, désolé. Je t'aime bien, Bon, mais je pense que... si je m'entête, je dirais que je le garde, mais je crois qu'on va le mettre à la poubelle. Ouais, on a déjà eu du lobbying comme ça, des gens qui disent, ouais, non, le gars, il est pas mal, tu vois. Non, non, il est pas... Non, Non, non. il est peut-être bien, il est peut-être On peut le garder, allez. Non, non, pas du tout. Chez le bien. voisin, Poubelle. poubelle, face au croco. Bon, on est d'accord, je pense que ça, bien évidemment, on ne garde pas. Non. Mais il nous reste un dernier tirage. Tri sélectif, c'est vraiment ça. Dernier Meilleur. tirage, c'est parti. Allez, 15 ans. Ah, 16 ans, non. Samy Malo, 16 ans. Sans entraînement supplémentaire, ce joueur restera à un niveau faible en défense. Si on lui donne une chance d'améliorer sa caractéristique buteur, ce gars pourrait atteindre un niveau inadéquat. Ben, on va dire Ouais, oui, on va quand même le mais faut... prendre. mais du coup, faut le tester au milieu tout de suite Tout à fait. pour voir s'il est. Faut voir au milieu si c'est bon. Mais de toute façon, 16 ans, là, en fonction de son âge, sauf s'il est 16 ans, 10, Eh ben 10 écoute, jours. 16 ans, 41 jours, donc Ouais. c'est... Ouais. Après, Non, franchement... c'est. Entre nous, on a eu tellement de chance avec l'académie. Tu vois, on peut même pas se plaindre. Je dis à chaque fois, mais c'est vrai, on a eu beaucoup de chance quand on a démarré. Donc, c'est normal qu'on ait un Ouais, petit mais tu. passage à vide aussi. On est d'accord que quand tu tiens un joueur comme ça, tu l'entraîneras jamais en Non. équipe. Enfin, c'est rare. Tu vois. Enfin, moi, personnellement, non. Moi, j'investis pas dessus. J'investis que sur des gars vraiment qui peuvent sortir à 17 ans et qui sont vendables. Parce que Ah, sinon, après. moi, de toute façon, j'entraîne que les joueurs qui sont triple honorables et qui sortent à 17 ans. Parce que j'ai vu que Chef Lindor en a parlé. Mais... En fait, j'ai un joueur qui va sortir triple honorable, tu vois. Donc voilà. Oui, Donc, magnifique. ouais, il est beau. Magnifique. Honorable buteur, honorable passe et honorable ailier. Donc je t'avoue que c'était assez sympa. D'accord. Mais bon, sinon, j'entraîne pas, tu vois. Ça, non. Bah, je pense 16 ans, 41 jours, bof. Non, celui-là. On fait pas de compo Ah, sur si, si. le. Petite composition. Si t'es encore... Est-ce que t'es encore le temps ou pas Mais bien sûr, bien Non, sûr, parfait, si, parfait. ça, avec plaisir. Parfait. Bah écoute, on va faire une petite compo. En fait, pour faire simple, je vais te montrer quand même la dernière compo rapidement, comme ça tu vois un petit peu. On entraînait défense, mais on a vendu notre défenseur, justement. C'est pour ça qu'on entraînait défense. C'est D'accord. surtout là, regarder quels sont les joueurs qui peuvent nous rapporter de l'argent. Exactement, tu vois. Et en fait, il y en a un. Il y en a vraiment un pour l'instant qui est Tiandiande, qu'on avait mis en milieu pour trouver un peu son milieu. Ah oui, pardon. Il faut qu'on voit. Ah oui, non, j'ai complètement oublié. En fait, il faut regarder l'entraînement aussi, ce que ça a donné. Pardon, autant pour moi. Donc, on a fait un entraînement. On va regarder le match. S'il n'y a pas une spé qui s'est découverte. J'ai complètement oublié ça. En fait, on a une tradition ici. On regarde les rapports de match. C'était Casselec ou Petit Filou. Ces gens-là, au début, nous avaient expliqué qu'en fait, on pouvait voir les spé avant même qu'elles soient découvertes. Et là, on voit qu'il n'y Bien en a sûr, pas. Donc, ouais, non, il faut. bien Ça, c'est sûr. important. Chose que je faisais jamais avant, tu vois. Et le rapport. Donc, Blesanogo, blablabla. Tiandiande, son niveau en construction est médiocre. Donc, ça, pas de chance. Lui, c'est un peu notre prochain bon joueur, tu vois. Ah ben, il est 3 sur 3. Mais tu vois, il est 6 sur 7 en défense. Bon, il a un peu de buteur. Bon, c'est pas si. J'ai l'impression qu'il était mieux que ça, mais je confonds peut-être. Oui, donc vous entraînez défense individuelle pour qu'il fasse défense buteur, tout orienté sur lui, c'est C'est un peu ça? ça, ouais, ça. Sauf que là, on l'a mis en milieu pour la construction parce qu'on savait pas la construction. On s'est dit, tiens, ce serait bien de connaître sa construction quand même. Mais je D'accord, pense très qu'on bien. va effectivement en défense individuelle, on va partir là-dessus. Hein. Ou sinon, là, tu peux faire un défense ailier pour découvrir son niveau d'ailier. Ou ailier aussi. Effectivement, on peut aussi faire ça. Effectivement.
Attends, je regarde juste. Parce que s'il est 6, on est... Enfin, de toute façon, il reste 40 jours. Donc... Ouais. Il lui reste combien de temps pour de passer de 6 à 7 en défense? Écoute, on va regarder tout de suite. Estimation. Défense. 5 semaines à 16 ans, 102 jours. Ah ouais, donc. Après, on peut faire Ah, c'est bien. double. Ouais, ça va. T'as une semaine de marge où tu n'entraînes pas défense, mais lui, tu entraînes 5 fois défense. Clairement. Donc c'est bien, tu vois. En fait, ouais, non, ça va. Défense ailier, je ferai défense ailier ou défense individuelle si vous avez, ça dépend si tu as vraiment zéro joueur valable ou pas quoi. De toute façon, je pense que là, on va repartir sur les compos qu'on faisait de défense, tu vois, à mon avis. On va repartir quand même de ça. Donc, on avait Zida. Ah oui, on l'a mis en ailier, mais bon, il n'a pas de défense. Donc, lui, je pense qu'on va pouvoir le virer. Il a rien de magnifique. Et Sawadogo, bon, lui, il il est était pas maxé en mal, hein. défense. Lui il était bien en buteur ailier, lui. Zida. Ah oui, c'est vrai. Il C'est vrai avance qu'on peut le bien. mettre en buteur, pourquoi pas. Ah, lui, Effectivement. tu le mets en buteur sur l'aile, c'est très bien, il va te faire du rendement. Mais Ouais. après, il a maintenant. Mais... Ouais, dans 26 jours, donc oui, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Sawadogo, il est maxé en défense, donc on peut le retirer. Zoma, on a découvert sa défense, il est pas bien. Ouais, on a plus de défenseur en fait. Ah oui, là ça commence à être difficile. Et moi j'aime bien trier par âge. Je pense que de toute façon on va faire par âge. Ah bah Lidji, oui, 15 ans, 54 jours. Alors lui, on vient de le découvrir la semaine dernière, je pense. Et lui, on va le mettre en défense, hein. Autant essayer de connaître un petit Alors. peu. Il a la construction aussi. Alors, là, tu vois, moi, ce que je ferais, c'est qu'en fait, dans ma ligne de défenseur, je ne prends que des. Alors, Taung Yende, lui, on connaît son niveau de défense. Oui. Et celui d'à côté, qui peut montrer? Qui, c'est ça? Ouais, celui que tu as mis au milieu, Ok, donc lui aussi, on connaît déjà sa valeur. Oui. Donc, tu peux. Était en défense, mais qu'avec des gars, on connaît déjà leur valeur. Comme ça, on est sûr qu'en entraînant en défense, c'est Lidji dont on aura la valeur de Ben, base de. Sawadogo et Bere Undugu, alors dans ce cas-là. Comme ça, tu vois, on connaît leur valeur en défense. Si ça te va. Bien, voilà, lui, tu peux. Et lui aussi. Ok. Et on a un Malo aussi qu'on peut mettre en milieu de terrain. On connaît rien du tout, au cas où hein, ça apporte quelque chose. Et bah 5-4-1, on est bien. Alors attends, juste parce qu'en fait tu peux faire coup double. Il faut que tu veux entraîner quoi? Tu veux faire défense individuelle? Je pense, pourquoi pas? Dis-moi s'il y a mieux. On peut. Je vois que dans le chat, il y a Ben, des moi propositions hein, je ferais là-dessus. défense. En fait t'as deux pour Lidji et t'as Yande. Tu as besoin tous les deux. Tu peux découvrir alors ailier Ah aussi. oui, c'est vrai, oui. En On défense latéraux. pourrait le mettre là. Et qui t'avait dit? Et Lidji, Alors, hein, ouais. voilà. Et Lidji, parce que Lidji, c'est vachement important de connaître lui. Il a vraiment. Il a quel âge? 15 Il ans, a 15 ans. 54 jours, ça c'est bien, ouais. Donc, lui, ça peut être une énorme star. Donc, découvrir défense ailier pour lui, ça va être le prioritaire. D'accord? Ouais. Alors, montre-moi le Meda qui t'a mis en ailier. C'était lui parce qu'on connaît pas son ailier Max aussi. Il a 16 ans 23 Alors. jours. Alors, OK. Et on Alors, tu peux dire. Bon, bah, à ce moment-là, vu que lui, il a un peu de potentiel aussi, ouais, ok. Tu peux, si tu mets parmi tes quatre latéraux uniquement les deux arrières latéraux dont tu connais leur Oui. valeur maximale, tu vas découvrir sur un de tes deux défenseurs leur valeur. Mais sur Meda, tu peux chercher à découvrir leur ailier aussi. Oui, c'est Et alors, vrai. Malo, le dernier, tu vois, c'est ça quand je dis optimiser l'équipe de jeunes, c'est tout de suite, dès que tu le découvres, tu vas voir sur les joueurs vraiment ceux qui ont le potentiel, tu découvres toute leur valeur. Parce que après, si tu veux vraiment l'obtenir à 7-7 quand il a 17 ans, pour ça, faut que tu aies optimisé son plan d'entraînement. Ah, Et c'est parfois, vrai. tu t'es fait du double défense, des choses comme ça. Mais à mon avis, tu vois, là on est quand même pas si mal avec les ailiers. Bon, c'est juste qu'il y en a plein qu'on connaît pas les ailiers, donc on sera pas fixé sur plein de joueurs, j'avoue, quoi. En fait, toi, tu voudrais mettre des ailiers sur lesquels on connaît les ailiers, quoi, en gros. Tu peux juste me montrer Malo? Malo, gars, il est là. Il a 16 ans, 41 jours et on connaît pas grand-chose de lui. Il a un peu de défense quand même. Mais alors, tu vois, lui, il nous gêne. C'est-à-dire que lui, si On cette pourrait se. semaine, Ouais. une question déliée sur lui, ça ne nous intéresse pas. On peut le remettre en milieu. Alors, une technique pour les gens qui écoutent, c'est qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que tu peux le commencer en ailier, mais tu le fais jouer 42 minutes.
Et après, tu le changes avec un autre que tu fais jouer aussi 42 minutes. Et éventuellement, tu fais un changement à la 42e et tu refais un changement à la 48e. Et donc, tu vas mettre trois joueurs au poste. Aucun va jouer 45 minutes. Donc, jamais un joueur on découvrira sa valeur. Puisque l'entraînement primaire, tu vas avoir la caractéristique actuelle du joueur. Et l'entraînement secondaire, tu vas avoir la valeur maximale. Ok. Donc en gros, on mettrait Malo là, on le remplacerait. Attends, parce que ça fait Tu peux beaucoup. mettre Malo dans ta position comme ça. Ouais. Par contre, si tu veux être si tu veux forcer par exemple pour Lidji, moi ce que je ferais pour optimiser, c'est que Lidji, là, c'est vraiment lui dont je veux savoir tout de suite l'information. Donc tu peux tout à fait, avec tes ordres, faire en sorte que ni Meda, ni Tao Yande, ni Malo ne jouent plus de 45 minutes en ailier. Ok, en les mettant autre part par exemple ou en... Alors, en fait, ça demande une combinaison à trois. Donc, vas-y. Alors, Vas-y, OK, je te je t'écoute, ouais, je dis. t'écoute là parce que... En ordre collectif, tu vas remplacer, par exemple, Sawadogo. Tu vas échanger les postes de Sawadogo avec Tao Yande à la 42e. Ah mince, attends, échange de poste, Ouais, Sawadogo, échange de poste. Tandiande à la 42e, ok. OK. Voilà. 42, voilà. Après, tu échanges Sawadogo avec Bereundu. Sadogo, Bereundu, Bereundugu, ok. 42 Voilà, aussi à la ou? 40, 48. À 48, ok. Ça, c'est fait. Après, ce que tu fais, c'est que tu peux échanger Malo avec Simporé à la 42. C'est vrai que, attends, c'est vrai que je vois un truc dans le chat et il a raison, Grand Vince. Taha Ndiaye doit jouer tout le match en DL, c'est la priorité. C'est vrai que Taha Ndiaye, ça serait pas mal de connaître son ailier. Quoique après, c'est 40 jours. Est-ce que ça vaut le coup de connaître son ailier? Je suis en train de me poser la question. En fait, tu as besoin d'avoir l'ailier de soit Lidji, soit Tao En Yande, fait, les c'est deux autres. ça, ouais. Ouais, exactement. Donc, tu peux, si tu veux, ne pas faire les ordres de remplacement pour Tao Yande et faire 2 semaines de suite défense ailier et tu auras les deux. Mais par contre, Meda et Malo, il faut qu'ils jouent 42 minutes au poste d'ailier. C'est ça en fait, oui, en Alors gros. sinon, tu fais 3 semaines défense ailier et tu inclus Meda dedans. Mais Malo perd pas une semaine pour lui. Non, non, lui, ouais, non, effectivement, effectivement. Donc si tu veux, programme juste Malo avec Simporé à la 42 et Simporé avec Traoré à la 48. Malo, attends, Malo, Simporé 42 et Voilà. Simporé Traoré 48. Traoré 48. Comme ça ou quoi alors? Et alors, bon, donc, je vais te proposer une dernière chose, comme ça après pour terminer. Pas de Ce que soucis. tu peux faire, c'est que ensuite tu fais. Grand Vince Donc, valide en Malo. tout cas. Oui, comme ça c'est bien. OK, après tu fais. Ouais. En gros, après, t'as qu'un essai comme ça et tu fais 3 semaines de suite défense ailier. Ou sinon, ouais. Si ça vous Ok. gêne, parce que. Et entraîner le buteur pour l'autre, Meda, il n'a pas un potentiel de folie, puisqu'il Non, sera non. que 4. Donc, Meda, tu n'as qu'à faire un ordre de remplacement. À la 42e, tu n'as qu'à le mettre en milieu vers l'aile, par exemple. Donc c'est quoi? Changement d'ordre, c'est ça? Non, échange de poste? Changement d'ordre. Changement d'ordre. Changement d'ordre. Tu n'as qu'à le mettre. Meda, À la 42e, ouais. 42e. Ok. Tu m'as mis. Vers l'aile, quoi, en gros. Mais non, mais il est déjà... Attends, il est lié, Meda. Attends, ah oui, non, mais Meda va passer... Attends, donc, attends. Mal En aussi. gros, c'est le virer pour pas qu'on le voit. T'as qu'à mettre Traoré en milieu central et comme ça, tu mettras Meda en milieu vers l'aile. Attends, tu m'as perdu. Ah oui, ok, je mets Traoré... Ok, Excuse-moi. attends, pardon. Je mets Traoré ici. Dans la compo de départ, voilà, Ouais, tu es exactement. voilà. Et ensuite... Et à la 42, tu mets Meda vers l'aile. Ah mais alors attends, c'est pas changement d'ordre, c'est... Oui, pardon, c'est... Dans ce cas-là, la 42, c'est... En fait, c'est échange de... Ah non, attends. Non, c'est changement d'ordre, c'est changement C'est vrai? d'ordre. Attends, mais attends. Oui, Changement c'était d'ordre, bien changement d'ordre et tu Meda. choisis sa position sur le terrain. Ah oui, voilà, oui, condition avancée. Ah oui, pardon, milieu et vers l'aile. Ok, c'est ça, oui. Et vers l'aile. Ok, comme ça, d'accord. Oui, en fait, j'avais pas choisi la position sur le terrain, c'est pour ça que je comprenais pas, mais oui. Voilà. Et là, du coup, tu auras un des deux bons gars qu'on a, dont tu connaîtras défense ailier. Et en plus, Lidji, tu connaîtras sa défense de manière sûre. Ok.
Écoute, parfait. Je pense que c'est très bien. C'est déjà très bien pour une compo de jeunes. Là, on est plutôt bien. Et puis, on va apprendre des choses. Donc, c'est cool sur les jeunes. Écoute, parfait. Moi, ça me semble très bien. Bah, écoute, c'est top. Moi aussi. Ça passe vite, hein. Ça passe, je dis Oui, à chaque fois, ça mais c'est vrai, là, tu vois, il est déjà 9h40. On avait dit, ouais, jusqu'à 9h, mais en fait, impossible. Tu vois, on a toujours envie de peaufiner, de varier, tout ça. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était sympa. Est-ce que ça vous a plu dans le chat aussi? Est-ce que la saison vous a plu? En fait, on a fait quand même une belle saison, je trouve. On a fait deuxième, on a eu des beaux matchs. C'était assez sympa. On a quand même une belle saison. Dommage qu'on n'arrive pas à faire premier, mais en fait, il y avait un ogre, hein, dans notre division, donc c'était impossible de le battre. Même si, je crois qu'on l'avait quand même. On a fait match nul contre lui. Enfin, bon, on avait un peu. Il y avait moyen de faire quelque chose, mais c'est un peu difficile. Mais en tout cas, on a fait une belle saison. Hein. Spyben, je pense, c'est comme une saison sympa. Des bons transferts, des bons matchs, des bonnes compos. Plus d'invités que la saison d'avant, tu vois, parce que c'est ce qu'on voulait aussi, quand même, qu'il y ait quand même des invités régulièrement, dont Nico, par exemple, qui est venu. Juste Ouais, la saison dans la d'avant. compo, faudra que tu mettes les liens rapides qu'on a achetés, hein. Alors, le problème, c'est comme il n'a pas de fidélité, tu vois. On peut regarder, mais c'est vrai que pourquoi pas, attends, je Ah non, vérifie. tu peux pas, il est blessé, j'ai dit une Ah bêtise. non, il est blessé 2 semaines, c'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, comme il n'a pas la fidélité, je sais pas si ça aurait été vraiment bénéfique, mais peut-être, hein, peut-être, je sais pas, La mais. saison prochaine, la saison prochaine. D'office, d'office. Et moi j'ai aussi une petite demande pour. Alors je vais pas dire pour les gens dans le chat ici parce que les gens qui sont dans le chat généralement c'est les habitués, c'est les vrais, ça nous fait plaisir de vous voir. Mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en rediffusion en fait, mais genre vraiment beaucoup. On sait que on est beaucoup plus écoutés en rediffusion que bon en direct et c'est normal et on comprend et c'est normal en pleine semaine. Mais les gens qui nous écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à nous dire en commentaire dans ce cas-là si l'émission vous plaît. S'il y a des choses que vous auriez bien voulu voir, des améliorations, des changements, des choses comme ça, si vous voulez qu'on continue aussi, ça fait aussi plaisir en tout cas de savoir si ça vous plaît, qu'on continue la saison prochaine ou pas, et voir un peu votre avis, votre feedback en tout cas par rapport à tout ça. Nous, quoi qu'il arrive, je pense, Payben, on est d'accord pour dire que là, on fait un break quoi qu'il arrive de 2 semaines. C'est toujours bien de faire un break de toute façon, même pour nous, pour avoir nos mercredis un peu. Un peu ça quoi. Oui, c'est vrai. Finalement, on sait plus ce que c'est les mercredis, tu vois, maintenant, les mercredis soirs. Non, non, on a abandonné, nous. C'est ça, c'est fini. Tu vois. Non, mais en vrai, on fait un petit break. Ça fait toujours du bien, de toute façon, même pour nous, pour nous ressourcer, etc. Et je pense même peut-être pour essayer de réfléchir à des choses et tout, à voir. Mais. Donc voilà, donc ceux en commentaire, n'hésitez pas à nous dire. Ceux dans le chat ici, on sait que vous êtes en tout cas bien présents. Et ceux qui ne sont pas présents, qui nous écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à passer aussi parfois les mercredis. Ça fait plaisir. Plus il y a de gens dans le chat, et mieux c'est, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai que c'est cool aussi. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas en tout cas si ça vous plaît de nous soutenir aussi comme ça. Et bah écoute, Nikos le boss, j'ai envie de te dire merci beaucoup en tout cas d'être venu. Vraiment, ça fait super plaisir d'avoir des gens à chaque fois différents. On le dit à chaque fois, mais d'avoir toujours des nouvelles personnes, c'est toujours cool. En tout cas, c'est le principe de l'émission. Donc merci en tout cas d'avoir pris un peu de ton temps pour passer du temps avec nous. Ça a été un plaisir pour moi, hein. Pas de souci. Comme d'habitude, on a passé une bonne soirée en ta compagnie, donc ça c'est chouette. Et on te souhaite en tout cas, comment dire, un peu plus de réussite pour la suite de la compétition chez les U21 jamaïcains quand même. Ça ferait plaisir. Remercie. Que ça se passe mieux. Et on suivra ça, de toute façon. Tu fais partie un peu des équipes qu'on suit en temps fil rouge le vendredi. Donc on verra, tu vois. On suivra ça, on va voir où ça en est. Et bah, Spy Ben, en tout cas, c'était super cool en tout cas de faire la saison avec toi. Ouais, c'était cool, écoute, je te confirme. On a passé On s'est des bien bons moments marré. maintenant dans Ouais, nos habitudes. On à a une bonne fond. équipe. Un vieux couple, tu peux le dire. On est un C'est vieux ça. couple. Non, mais c'est vrai, on s'est bien marré. On a eu des bons moments et de ça aussi. Et puis le chat, hein, franchement, merci beaucoup. On le dit à chaque fois, mais franchement, c'est grâce à vous aussi, parce que le fait que vous soyez là, bah, les habitués, hein, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est super chouette de vous voir. Et bah, écoutez, on se tient au courant, en tout cas, s'il y a une saison prochaine ou pas, on verra. En tout cas, par contre, ah oui, pour les gens aussi qui veulent, ceux qui veulent un peu des nouvelles du Dicrédit, parce que moi, je donne un peu des nouvelles parfois avec la forme, les choses comme ça, mais il y a aussi des gens parfois qui parlent du Dicrédit, des adversaires, des transferts et tout. Rejoignez notre Discord, hein, donc discord.htactu.com, donc https://discord.htactu.com. C'est en commentaire, c'est en commentaire, c'est en description de la vidéo. Et puis voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut souhaiter une bonne soirée, on a tout dit. Et puis on se retrouve peut-être dans 3 semaines, on verra tout ça, on verra un peu ce que vous en pensez. Bonne soirée. Spy Ben, Ciao. Nico? Ouais, Bonne bonne soirée à soirée. tous. À la prochaine, ciao ciao. À plus, ciao ciao.